Kanye yuma alike beho Kwa fasa fadi juma e Obuya konda yo fasi o Kwa fasa fadi juma e Obuya konda yo fasi o Je voudrais que vous vous levez. Tous. Les mamans comme les papas. Les mamans comme les papas. Nous avons au milieu de nous le papa des papas. Nous avons au milieu de nous le roi des rois. Alors ce matin, Dieu de Naomi, ils ne sont pas dits de toi, mais nous leur ont dit merci papa. Bonne fête papa au Dieu de Naomi. On va acclamer très fort pour dire merci. Bonne fête à papa Dieu de Naomi. Oui, Dieu de Naomi, nous devons dire merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton épouse qui est au milieu de nous. Merci pour tous tes bienfaits. Nous appelons étrangers tous ceux qui partagent le culte de dimanche avec nous pour la première fois. Que vous soyez du côté des hommes comme du côté des femmes, veuillez vous lever afin que nous puissions faire votre connaissance. Je voudrais encore qu'on acclame le Seigneur pour les étrangers de ce matin. Chers frères et sœurs, nous vous saluons tous ce matin dans les précieux noms de Naomi. L'église que vous visitez ce matin, chers frères et sœurs, c'est l'église de Patmos, Dieudonné de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une nouvelle église de plus que les hommes ont créée, mais c'est l'église par excellence du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi le nom église de Patmos, Dieudonné de Côte d'Ivoire? Patmos, si vous êtes déjà chrétien, est une île. L'île sur laquelle l'apôtre Jean, parce qu'il prêchait la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, a été déporté. Lorsqu'il a été déporté sur cette île, Dieu lui a donné les révélations en ce qui concerne la fin du monde. Et tout ceci a été consigné dans un livre de la Bible que nous appelons l'Apocalypse. Si vous lisez très bien l'Apocalypse, vous allez voir l'île de Patmos. Effectivement, l'église de Patmos de Donné Côte d'Ivoire est le lieu de réalisation de toutes les promesses qui sont consignées
dans les livres de l'Apocalypse. C'est pour cela que vous allez voir, au début de ce livre, ils ont dit ceci. Heureux celui qui lit ce livre. Heureux ceux qui écoutent ces paroles prophétiques et le mettent en pratique. Effectivement, ici, nous avons des paroles prophétiques. Mais de quel prophète il s'agit? Parlant de ce prophète, dans la même Apocalypse, la Bible a dit encore ceci. Un grand signe se fit dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. C'est-à-dire que cette femme, elle a la domination toutes choses, sur toutes choses. Partout où cette dame, elle se met, aucun être humain, aucun esprit ne peut dominer d'elle. Elle domine toujours. Et sous ses pieds, il y a la lune, le symbole de la paix. Partout où elle est le symbole de la paix. Et tous ceux qui sont là où elle est, ceux-ci aussi bénéficient de cette paix. Et il y avait également une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Chers frères et sœurs, cette dame, elle est reine au ciel, elle est reine également sur la terre. Et cette dame, elle est l'épouse de Dieu. Et elle, c'est la prophétesse Yao Aya Naomi que je voudrais qu'on ovationne. Oui. Alors, chers frères et sœurs, ceux qui vous invitaient vous ont certainement parlé de cette dame. Alors désormais, chers frères et sœurs, si vous voulez bénéficier de la domination que cette dame a, si vous voulez avoir la paix que cette dame procure, désormais prononcez le nouveau nom de Dieu qui est Dieu de Naomi. Alors, dans la même Apocalypse, encore, vers la fin, on dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Nous qui avons entendu, nous aussi, nous avons dit, venez. C'est ainsi que vos frères et sœurs vous invitent ce matin. Ceux qui veulent de l'eau de vie peuvent le prendre gratuitement. Il n'y a rien. On ne paye pas 5 francs dedans. L'esprit, c'est qui? L'esprit, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. L'esprit, c'est celui-là même qui a ressuscité Lazare au temps en Israël. L'esprit, c'est celui-là même qui a marché sur les eaux. Chers frères et sœurs, cet esprit encore est descendu en Côte d'Ivoire. Il est au milieu de nous ce matin. C'est le monsieur vêtu de tout blanc qui est assis en face de vous, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la demeure de Dieu. Ce matin, nous allons demander au Dieu des enfants d'Israël, qu'on appelle aujourd'hui le Dieu de Naomi, d'avoir pitié de vous comme il a eu pitié de nous tous qui sommes ici. De vous faire grâce également comme il a fait grâce à tous ceux qui sont ici. D'ouvrir vos yeux pour que vous aussi à vos tours, vous puissiez voir toutes les grandeurs spirituelles qui sont dans ce lieu. Que votre séjour parmi nous soit le meilleur de votre vie dans le nom du Dieu de Naomi. Amen. Yeah.
Mansoura et Tramosso. Mam. Mansoura et Tramosso. Magna mi pli. Boti an voue si foue. Aussi à moi en voue titi. Ma nyamie bo ora sana so sana yo pai ora amoso titi ma sura le tramoso sura le otra pat moso mvlinsu abidjan so no ma sura le tramoso amukula ngamba ambuli na umi akudan Mansoura le otra mokro a moso. Amen. Amul ke kula ngaba amu yoli amani naomi. Mamus ke nyami kli onwuni. Kulo lebo amu kulo nyami. Itie amu yu sonyo. Ma amu sike nyami kusuma okru amu vie. Amen. Kulule bonga mukulu nyamie mamuske nyamie soti kwe kumba mukulu nyamie mamuske nyamie kuli okula mukule blu amulie amusanulinge muye amfamblemyo seke milie dikenga usanu fleke ananga mangwa ilie mafama amo Et sorti ma âme ou l'angoisse. Le kakouye est sur le corps. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai mis un clou. C'est à ce colis qu'on.
les cabom ra sous constitue cloa sous cosoué c'est on a mentant loin à clan canidjole à ka on que canidjelika sans essayer à sous mentant loin sorti quoi ngwe à wa sikeni à sous adjo oi setio il est que on nous loin à wa on canidjejwa otia so kaza wa mentant loin sans que ka on ya mien sous lo paja lo djue afik kanimi cloa bi djubi konglo otima so Mansoura et Tramoso. Mansoura et Tramoso. Nia, que y a matin y'a mis sous mon coco. A moi si qu'elle n'y a. Colin Bawadjou. A moi si ça. Qu'elle soit encore sangue. Gabam sous si mei. Y'a la tien bak bangamoy. Amou jasoma, amou koi. Il y a sous si et tricky, 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 tricky. Il y fouet une sous cancri à moi. Il y a si amkenya il y fou à mon onion. Sanga ke amanta koko yi. Wa faka ba mayo. Ntuma ke on den kri amu. Yi wa faka ba mayo koy. Amboba mo asikenya. Akuna ko bien alen klo. Kole wa mata. Sanga chinga bo ya koy yi si meyo. Mansura et tramoso. Il y a ce que ni amu cleansing li yi o te. Autre même Mohamed cleansing. Oma alien sous diamo, mon sœur allait autre amoso. Mon voici les autre amoso. Olivou nyon, be amou mo be amou kla. Olivou nyon mon be la mko kla amou asse. Abidjan sonon pat mo sou mo kla 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 kla. Mon sœur allait autre amoso. Ya ma olivou nyon bien voici les mon okata mon sou le fa du mai fa kolete. Olivou nyon be sœur allait mon autre amou kla 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 amou sou le fa tu menga wa fa kolete. Dans mon nom, ça t'aime, ça, homme. Sangema, am kabwatching, am titi. Sa kokram aussi, sorti bleu, sorti okleo, sorti ufweo, sorti seo, sorti kao, sorti dao. Ma am katching, am titi. L'éléfa du mei fa kolekien, a fi nya mi soule, ole ma ba, mansura et tramoso. Liki vie fi nou man, ya mi soule, moti popo, ya mi soule. Kamu fam ni amu na namu biatinga bi faliso yi vie fin manu mo oyoli popo ikwakwa oyoli kekli klingumi sanga kebe so lele yagwari eloy o kakili akun jueli ke amen ikungba e amuli yi nyamie ni wa musaronyo nyamie kusuma isule oyoya isule le mamba isiti amu tramu wa uliba amu jran kekli mamu sunzule amu akundai otaka nyemi su titi ke donga su otaka ensa nam kati amsi naomi sanga ma am tanda omi nu ikekle afi ili isanu nyamie owo ili sinye amko ya mu iba otanya mienyo ili sinye amko ye amunya ananga mangwanyo nyamie jumandi fa vie fin male bo inu atinti tike wa ke naomi so naomi kungale ke ye inu atinti tike wa no amen mo be kula nga be suiso e be sa su miama aima singen kan klam kenya at sam fatin a favie am sa omia aima and there am sri am kun jo afi wa am wasien so wa asien bai wa fesa wasieso lele mania be bobo nga mo be ko bai mo bosin be mu ye be wulago ase don aso afi be mu ye be leninge mo be mu be lesika mo be leninge dada mo be Belinge de dan kwa be lengale vile sika sik moja sikao sangabe lenyunu okekeli be wasie soa satan wa fasie sanga sanga tema ba musin eke se ma ba mam kwa nya muti itiem ba mo ati palenyo ninge wa fa fa kwa monia satan mamu benye mo bele mo betalole bia kru bia ngabe ko di ilie ngamo be dile be chenga be ko di ilie nga mo be dile chien o fle nu malokon likenga o be nyu lo yele nyenene akun juen malo aun juen malo founding ma be nyu lo senge amulie amu fe be ya mu wanzo be pe ya mu zoa be ya mu finfin Naomi isusu le dumanu l'élément be flap ke Naomi be flason ke Naomi a sonu
Avec la sœur mauvaise flèche Naomi. Il croit à mon belé. Bien on libère à mon fifi. À mon fifi le nigé moyen à mon belé. C'est un si amkeni à mon fifi le à mon belé à mon lé. Maman ce que à mon lokusuma à un dieu ou l'or. Amen. À mon lola foundi ou l'or. À coup dieu ou l'or. L'équipe avec flèche en angaman gouin. Bon, le kevier fi quoi tombe à sien soi. Il y a mien yon man. Il sont les kelie yo a yo amuli ay man yo. Il sont ti mamu. Na mu fe ya mien soule nou. Il tekin jom se am kenya. Kan ze be pe amu ting. Sangenya. Amu nyan mien. Mo o yo amu nyan mien titi. Amen. No? Amen. Mame to juke na o mien o nyan mien ti nyan mien. C'est bien yokun oy bi kun yevie. C'est anyo tikusumai yekusumai nyaiti. C'est wa nyangwa kusumai yekusumai esu nyangwa vie. Onyamie otie nyamie. Yo, c'est am seke na omi nyamie otie am nyamie. Am le sutie. Afin ni en siam kenya. Na omi nyamie ilie bi feke Abraham nyamie nyo. Naomi inyamie bifleke Hebreu benyamie. Naomi inyamie iliyoti nyamie kukula benyamie niyo. Amen. Ili so nyamie liye. Iliye wakati yande amu nyamie ye. Se enkulanse. Se ensu yamwa ye dan. Amu su jumabo. So tete un yamoye. Se gamu klosra mo se su yamoye. O akachi ke o fle amba mo sanu lele ma amu gwan o mlie. So tete un samken ya amba ngam klan mo gwae. Likinga fleke ananga man gwan don asu o amba mo san. Nia minga enjoy me be fleke adudu anio ni ensu kwaya ki abobo nga mgo ya mule mfa ngwa masan mfle man dina mule kiam nkwaya ki abobo nkwaya ki apartment mfle mfa nanga man ngwa masan mfle treke 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 afi apartment oyin ilio so na omi no apartment oyin ilio so mi no mili ke ga mon le ye le apartment. Nyamie plisa tidi ke pa. Mo yele Naomi. Ili ke ngamo le asien sui. Ye kon. Yele Naomi ya sonu. Mo yele Patmosu. Patmosu kusuma onu malen be. Li ke kuwa onu. Li ke nga onu yele am gam gwae. Ba am dam ti Naomi ywa. Ba am dam ti Naomi liye. Banda fam guam le Naomi bosanui and then fam guam le Naomi inyamie isanui amu yam tinyamie yo tiense am kenya un sukwa yachi amu le mfa ananga mangwan masra un fle qu'est-ce que sra un fle sra un fle et sorti ke moi na djuman amu mi amu ina iga amu yo am kole amu yo sorti titi na yeju. C'est un samke a fait sur toi, mon souï. Minya me pli, malakamoui. C'est un samke a sien a soi, n'y a pas ta me koukla bewa ya mouliye. Minya me pli, malakamoui. C'est un samke a mou tis ou pouke mamoui. Minya me pli, n'y a un sou lakamoui. C'est un samke a mou koukla ya mouya kemba kousale. Minya me pli, n'y a un sou lakamoui. In sam kenya amu kru yo amu yai amu tikbuke amu se ngale be kwa be no nwole nde amu. Amen. No afia am te wasie bosua asie suwa famu ebe wole ke amam na jawa asie suwa ma am te wasie suwe sa vie mu be ju amu suvie se ngale amu le ti defoe se ngale be kwa ju amu suwe ke amu le amu si ayin sang amu bai dimi
prions. On clique, quand on voit qu'on baille qu'on est, on fait ça pour avancer. On y a mouli qui, on prie ça. Lique, Gabon y a un cas clair qu'il y a. Quand il y a brûlé douille, on y a mouli, il y a les anangamang coin. Afin au moment bisano, amen. Il faut que les Israéliens soient sur la couloir. Mon soeur est en mousseau. Ma envoie-t-il en mousseau. Mais, en boba mounou, en boba moutranou, en moussi wa fanga mouye wa yo, en moussi wa fanga otio, l'ike passa en manou con. Indien kankri a moutiti kenya. Même pour qu'elle n'est pas au mien voix au clé sur l'air afin sans aimer la fusque n'y a même pour moi ouest au aïe au paille combien ou l'angoisse non à moi la camou sans vie moi béga fusque n'y a encore d'aumi à mensuel encore menor je vois qu'on y est là. Même bon amour il est donc à ce moment amour tiens am gamo guasolo am gamo swanganoi ne amour n'y a mensu and de bon amour ne amour n'y a mensu non why be fleur que n'y a mensu ne am baba ne gamba sans de ouangle ne sans qu'on fait part moi sur nous fitter okle se okle wa fini n'y a mensu non why se wa me meno guasolo. Quel est votre fils? N'y a rien sous votre toit. Amour quoi? N'abaisse pas ton matériel à part mon sonnement. Mon part mon sonnement. Mon sonnement au milieu miel. N'y a quand c'est un femme. Pas ta mère. Amour au lit à rouler. C'est à rouler. Mon gamin à rouler. Wa ouais non. À ou n'y a rien sous nous. Amen non. Il sortait sans qu'un tramway au Liban. N'y a ça il bling bling pambe au wa ouais non. Amouen ya mouima, sotet sam kejima. Non. Minga enjoy, won mio. Minga enjoy, won mio. Mbami wamu, sagam wami, mi malie, on wamu, sagam bobo, am, nan ki samble, sagam sam gentin yamie. Crossantin yamie. Asie bon aswa, sans otin yamie. C'est un outil ma sans qu'on dira mon c'est qu'on t'ignore mieux non n'allez qu'écoute toi assis au bout de quoi t'ignore mieux allez qu'est manière amulap ce qu'elle dit n'y a mieux plus beau famille bien on y assoit une samke n'y a mieux plus beau famille bien am si en soi on y assoit non Gabriel Michel on y assoit n'y a mieux plus famille bien vraiment on y a bien bon allez sur le flèche Saint Michel. Ok, c'est ok. Quel tunjai et ni Michel? Amou la fusque. Qu'est-ce que Anjou Messia envoie? Anjou Messia envoie. Amou la fusque Michel Bobo Club. Mounisouke, sans qu'on fait Bobo Silien. Il faut mieux clé. On y fait bien au transou. Que donc à souy, on t'y quoi de voir Bosou Pénion? N'a la sano. Il va y faire bien aller. Il fallait un peu banco famania. Ande amu wona amko fa famien bien ale am sikeli amko fa am transu famien ba famien bien bon ale ni am boba am klosan ni asira so famien bien am ni ekplire ngam kplio le lesran wunu famien bien boba ekplire am ni famien bien wo fanga mama kpliri ngawa man fa ngawa mi fa ngawa mi fa ngawa mi fa ngawa asu fama ngak suma mfa ok nga asu fama. Yo, mi en fa. Ngawan a fama, mi en fa ngawan fama yo. Izo so atra le. Atolier. Donc que atolier ne, sans mo kulai, yo izo. Ne ngamu yam ku mo nyo. Singa si izo am fa kunu.
famille est bien bon à l'esconi. On t'y assied soit liqué, on t'y assied soit n'y a pas de ou on t'y assied soit à un nounia. Bon, quoi le calvier fait? C'est qu'on est nous de, on est nous si. Il y a un ami qui boit, famille est bien lié. Il y a un la physique n'y a. Sans qu'on croit fatran soit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que 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 tu sais ce qu'on appelle Christ? Christ, c'est qui? Christ Jésus, c'est Dieu. Et Dieu, il n'a pas de couleur. Si tu sais que Christ, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Indiscutable. Seigneur Jésus-Christ égale à Dieu. Avec grand D. Mais Dieu, il a quelle couleur? Point d'interrogation. Et donc, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ en Israël, qu'on voit blanc et qu'on dit que c'est Dieu, mais posez-vous des questions. Est-ce que c'est le corps blanc qui est Dieu ou il y a quelque chose d'invisible à l'intérieur de cette enveloppe blanc qui est Dieu? Mais tout homme de Dieu doit le savoir. Mais si tu es un homme de Dieu, que tu ne sais pas que le Seigneur Jésus-Christ équivaut à deux entités, mais tu suis Dieu pourquoi? Et c'est ceux-là qui pensent que arrivé au ciel, on verra le Seigneur Jésus-Christ assis à la droite du Père. Justement, s'ils le disent, peut-être qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas raison. Parce que quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle toujours, et c'est ce que les prédicateurs, les dirigeants vous enseignent, toujours. On parle de deux entités. Et quand on parle de... Si tu sais qu'on... Le Seigneur Jésus-Christ équivaut à deux entités, tu comprendras toutes choses. Mais tant que tu ne comprendras pas cela, tu seras toujours dans le flou. Tu ne comprendras rien, absolument rien. Tu seras toujours nul, malgré que tu sois appelé pasteur, prophète, évêque, gnien. Ça équivaut à zéro. Mais dites-leur de venir, moi je vais les enseigner. Parce que c'est moi qu'on appelle la parole de Dieu. Dites-leur, ils vont venir, je vais les enseigner. Moi Dieu, je suis sur terre. Vous avez besoin de quoi encore? Quel enseignement? Vous ne voulez pas venir. Le travail que moi Dieu j'ai effectué hier, c'est ce que vous partez apprendre et vous enseigner. Est-ce que je suis venu enseigner aujourd'hui? Qui vous a dit que c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Soyez bénis. Les étrangers. Ne soyez même pas troublés. Ne soyez même pas dérangés. Celui que vous voyez en face de vous, là, c'est vos frères. Mais ce n'est pas l'une noire, là, comme vous, votre peau, là. Ce n'est pas lui qui est Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a choisi.
et qui a incarné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Dieu, qui suis en intérieur, je peux aujourd'hui abandonner ce corps et aller te prendre. Je peux le faire. Je peux lui dire, assois-toi. Je peux lui dire aujourd'hui, mission terminée. Si mon travail avance, je peux aller me saisir de toi. Mais si moi je vais te prendre, ton travail là, tu vas abandonner. Ta femme là, tu vas l'abandonner. Tu ne pourras plus aller chez toi. Tu ne pourras plus aller au village. La route de ta maison, tu ne connaîtras plus. Ce que tu vas faire, c'est de suivre le chemin que moi, je vais tracer pour toi. Les hommes sont aveugles. C'est pourquoi je dis que moi, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Parce que je suis invisible. Je suis caché. Et je vous parle. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes chair. Votre corps ne supportera pas moi, Dieu, ma présence. Celui qui peut supporter, c'est l'âme. Maintenant, pourquoi je le fais? Je le fais pour que vos corps puissent supporter moi, ma présence sur terre. Maintenant, quand on va passer dans le spirituel, ce n'est plus vos corps qui sont là-bas. Parce que vous allez mourir, on va vous enterrer. Mais ce qui va apparaître, c'est vos âmes. Amen. Amen. Maintenant, lorsque ce corps quittera, c'est Dieu qui sera là en face de vos âmes. Et vos âmes supporteront la présence de Dieu. Aujourd'hui, vos corps supportent la présence du corps que moi, Dieu, j'incarne. C'est difficile ça. Aujourd'hui, on peut vous dire tout. Ce n'est pas Dieu. C'est l'antichrist. C'est le faux Christ. Mais je vais vous dire qu'il y a un. Il n'y aura pas deux. Si je suis le faux Christ, je suis le seul faux Christ. Il ne peut pas y avoir deux comme ça dans le monde encore. Comme ça. Ça. Dans une église qui prospère, qui évolue matin, midi et soir. Une église qu'on ne peut pas toucher. Je dis bien qu'on ne peut pas. Celui qui ne veut pas affaire à Dieu, il ne faudrait pas qu'il touche Patmos. Celui qui ne veut pas avoir affaire à Dieu, il ne faudrait pas qu'il touche un enfant de Patmos. Tu as affaire à un enfant de Patmos, tu as affaire à Dieu. Et donc, les étrangers, canalisez vos pensées. Pourquoi je dis canalisez vos pensées? Parce que quand vous réfléchissez, vos pensées viennent vers moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu doutes là, je reçois. Tous ceux qui croient même qui sont là, quand je parle, la parole qui sort est source de vie. Cette parole ne reste jamais sur la terre, non. Ce que vous acceptez reste en vous. Ce que vous n'acceptez pas retourne à moi. Et quand je parle, qu'il y a beaucoup qui retournent, j'arrête. C'est lorsque j'enseigne que je vois que ce que je dis, vous recevez, mais il y a peu qui retournent, que je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lorsque je vois que vous êtes rassasiés, et puis je coupe. Mais quand je vous envoie que vous ne recevez pas, vous avez l'esprit
ailleurs, que vous ne recevez pas ce que je dis, pourquoi me fatiguer? Je préfère mettre fin. Vous êtes à moi. C'est moi qui suis en train de parler, c'est moi qui vous ai crié. Donc je sais comment vous êtes. J'appelle pas n'importe qui dans le peuple de Patmos. Quand je dis dans la parole, dans la Bible, que je suis venu pour séparer les brebis et des boucs, c'est un travail bien précis que Dieu vient faire sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, il y a certaines personnes qui appartiennent à Dieu et il y a certaines personnes qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est clair, les boucs là, c'est des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu. Les brebis, c'est ceux-là qui appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui connaît, qui peut faire ce tri-là. Voilà pourquoi est-ce que Dieu ne reste jamais au ciel, il descend toujours sur la terre. Les hommes sont très, 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 très importants aux yeux de Dieu. Moi, j'ai souffert pour créer l'homme, pour vous créer. Donc, je suis venu chercher ce que moi j'ai créé. Pas ce que Satan a créé, hein. Ce que moi j'ai créé là. Je suis venu chercher sur la terre. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Le travail de Patmos fait plus de 40 ans. La prophète Naomi travaille, ça fait plus de 40 années, bien compté. Il est en train de pleuvoir. Hein. C'est bon ou c'est pas bon? On laisse, non? Non, on laisse la pluie, non? Ah. Sinon, il est sorti. Et puis on a coupé ça. Ou bien? Que Dieu vous bénisse. Je m'adresse aux étrangers. Si vous arrivez à la maison, rentrez dans vos chambres respectives. Engenouillez-vous et priez. Demandez à Dieu de vous les éclairer. Dites à Dieu, parce qu'il y a certains parmi vous qui sont chrétiens, qui savent qu'on prie toujours. Priez et demandez à Dieu. Je suis allé dans une église, j'ai vu un monsieur noir, il n'est même pas blanc, hein? Et puis il dit le Seigneur Jésus-Christ. Il est noir et puis il dit il est Jésus. Nous là, notre Jésus qu'on connaît là, il est blanc. Et puis il est mort, ressuscité, il est parti. C'est Jésus là. Toi Dieu, tu dis quoi? Est-ce que c'est toi? Parce que si c'est toi que moi, je n'ai pas accepté, c'est grave pour moi. Si c'est pas toi que moi j'ai accepté aussi, c'est grave pour moi. Ça devient compliqué. C'est là le problème. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, c'est faux. Et il y a d'autres aussi qui disent que c'est vrai. Ça fait deux cas. Soit c'est faux, soit c'est vrai. Mais il ne faut pas rester dans le camp de c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Puisqu'il y a des gens qui disent que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est faux ou c'est vrai? Maintenant, si tu restes dans le camp de c'est faux, si dans l'avenir c'est faux, tu auras raison. Maintenant, si tu restes dans le camp de c'est faux, que dans l'avenir ça devient vrai, c'est à l'enfer total. Maintenant, vous qui dites que c'est vrai là, si dans l'avenir il savait que moi je suis le faux Christ vraiment, vous là, vous partez où? À l'enfer direct.
on va dormir à l'enfer là-bas. Tous les prédicateurs là, avec vos vestes là, à l'enfer là-bas. Les ceci là, tout le monde, allez, on s'en va à l'enfer. Mais, si jamais le monde dit c'est faux, vous dites c'est vrai, que dans l'avenir, c'est moi le véritable et je suis le véritable, on ira au paradis. La vérité dans la parole de Dieu, la vérité elle est unique. Il n'y a pas d'à peu près dans l'affaire de Dieu. Il n'y a pas à peu près. C'est ça ou c'est pas ça? Comme ça là. Comme ça, tordu, tordu. Dans la parole de tordu, tordu. Nous, on n'est pas dedans. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Un point, un trait. On ne tourne pas. La parole de Dieu, on ne tord pas son cou. C'est ça ou c'est pas ça? Si tu ne peux pas accepter, il faut laisser. Tu veux accepter aussi, il faut accepter. La vie éternelle, elle est individuelle. Vous avez vos femmes qui ne viennent pas à l'église. Vous avez vos maris qui ne viennent pas à l'église. S'ils ne viennent pas, le jour où le monde finit, vous êtes couchés sur le lit à deux. Si tu es femme, tu viens à l'église, je te prends, je les laisse. Si tu es garçon, tu viens, je te prends, je laisse ta femme. C'est fini? Ça, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Vous allez voir quand le monde va finir, il y aura l'enlèvement, on va partir. C'est là que vous allez comprendre que... Voilà. Il y a certaines personnes sur la terre qui pensent qu'ils sont puissants. Vous êtes puissant en quoi? Vous êtes puissant en quoi? Toi, tu dors, si moi je ne t'ai pas réveillé, tu ne te réveilles pas, tu es puissant. Tu dors, si je ne t'ai pas réveillé, on va t'enterrer. Où est la puissance qu'il y a dedans là? C'est physique. Ou bien c'est fétiche. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est ta force. Soyez humble. Ne soyez pas hautain. Tu peux être garçon, mais quand tu arrives au seuil de la porte de Dieu, tu deviens femme, hein? Croyez fermement au Dieu de Naomi. Avec la pluie, vous qui êtes dehors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Vous au moins, la pluie là, ça tombe sur vous. N'est-ce pas? Vous êtes plus bénis que ceux qui sont dedans ici, non? Eux, ils sont ici, il n'y a même pas pluie qui va sur eux. Vous êtes dans la souffrance, non? Soyez bénis. Donc, devez-vous bénir aussi. Donc, soyez bénis petit. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde est béni aujourd'hui. Mes enfants, Dieu vous aime. Regardez, le Dieu d'Abraham, quand je parle, je vous dis, regardez, quand on parle de Dieu, Dieu, on ne parle pas d'être humain, on parle de Dieu. On dit Dieu, il est redescendu. Mais quand vous venez, on vous dit, la femme là, elle parle avec Dieu directement. Vous voyez le monsieur qui est là en blanc, c'est Dieu. On coupe court que c'est Dieu. Ça scandalise. Mais tu es humain. Dieu t'a donné la sagesse, l'intelligence de pouvoir analyser et comprendre. Mais quand on dit qu'il est Dieu, le voilà qui est assis là. Et tu sais que c'est un être humain qui a deux yeux, deux oreilles, deux bras, il est noir comme toi. Pose-toi la question de savoir pourquoi ceux-là disent que c'est Dieu. Comprendre la petite partie qui est là. C'est tout. Pourquoi vous dites que c'est Dieu? Regardez, on va vous définir. Si vous voulez là, vous voulez, on va prendre un tableau, on dépose. Je vais vous définir de A plus B. Pourquoi on dit que c'est Dieu? Mais on ne vous a pas dit que lorsque l'église de Passeport Dieu de l'eau de Côte d'Ivoire naissait, il y avait quelqu'un qui était assis là en blanc. La prophétesse Naomi, elle était là seule. Dieu lui parlait.
Mais elle voyait Dieu avec ses propres yeux. Quand Christ descend, elle le voit. Bien avant que Dieu incarne un corps, et avant que Dieu n'incarne un corps, Dieu lui a dit qu'il va le faire. Et c'est après que Dieu a incarné un corps, où moi j'ai pris un corps physique, sinon avant j'étais spirituel. Et c'est elle seule qui pouvait me voir. Est-ce que si je reste spirituel, comment je peux vous enseigner? Comment je peux vous montrer la bonne voie à suivre? Comment vous montrer ce que j'aime, ce que je n'aime pas? Ce monde qui est pourri, rien de bon. Au fur et à mesure que le temps passe, le péché devient énorme. Il y a des péchés que vous ne connaissez même pas. Les gens même créent maintenant le péché et ils le font sans être inquiétés. Vous serez inquiétés, mais attendez-moi deux instants. Vous allez comprendre que c'est Dieu qui a créé la terre, que ce n'est pas Satan. Moi, je suis assis sur la terre ici-là. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas savoir. Mais moi, Dieu, je sais ce que je vais faire au monde. Je suis assis là. D'après vous, je suis calé. Je ne vais nulle part. On ne peut pas me déraciner. Moi, me déraciner. Si tu veux, tu peux rentrer ici à pistolet, bien calage. Tu faut te lever, tu as tiré. Si tu as pu me tuer, je sors du corps là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Oh, vous pensez que Dieu... Mais tu as tiré sur moi. Et puis, le corps là, il est mort, non? Tu dis que tu l'as tué, non? Mais est-ce que mon Dieu me tue? Je sors du corps là, et puis je vais aller prendre un autre jeune là, je viens, puis je vous enseigne. Donc, finalement, tu as tué tout le monde alors. Mais si ce n'est pas dans ma volonté que tu viennes ici avec une arme et tirer sur quelqu'un ici, si ce n'est pas dans ma volonté, tu auras quelle force? Vous voyez, les gens que l'esprit prend, c'est qu'ils font comme ça, là, dans l'église, là. Et ils voient clair des... Ceux qui font... Et puis, quand vous êtes venus là, vous les étrangers, vous avez vu des gens, ils font comme ça. Ils font comme ça. Ils font les trucs bizarres. Vous êtes là, vous regardez comme ça, vous dites, ah, ça, est-ce que c'est pas combien même? Est-ce que ça même, c'est pas combien ils font comme ça? Notre combien là, ça vient de Dieu. Ça vient pas de Satan. Satan, son combien? Il boit œufs frais. Nous, on ne boit pas œufs frais. Nous, notre combien, on parle à faire de Dieu. C'est pour te dire que ce n'est pas combien dont tu parles là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui se saisit de quelqu'un. C'est les anges qui descendent, qui se saisissent des personnes. Et ces choses-là peuvent vous arriver aussi. Si moi, je veux aujourd'hui que vous, les étrangers là, que les anges se saisissent de vous, ils vont se saisir de vous. Si moi, je ne veux pas que tu partes à la maison, là, tu as fait la journée ici. Je te cloue ici, tu es assis ici. Tu ne peux pas bouger. C'est moi qui te téléguide. Ce que vous voyez là, c'est moi qui te téléguide. Quand je prends quelqu'un, si je ne veux pas que quelqu'un parte à la maison, là, il va rester ici, la personne va rester ici. Ça veut dire que vous, je vous ai créé à mon image. Je fais de vous ce que je veux. Quelqu'un ne peut pas se lever pour dire, moi, je ne vais pas suivre Dieu de Naomi. Toi, tu as quelle force? Toi, tu dors, si je ne suis pas... Hé, hey, réveille-toi. Toi, tu vas dormir. Si moi, je veux me révéler à toi, toi, tu peux rester là-bas? Tu peux? Tu peux pas? Ça veut dire quoi? Moi, Dieu, sur la terre, j'appelle tous ceux qui m'appartiennent. Tous ceux qui m'appartiennent. Tu ne m'appartiens pas, je ne te prends pas. Tu m'appartiens, je te prends. Parce que je suis venu faire un tri, un travail bien précis.
le travail de la fin de tous les temps, le travail du de la fin du monde. Celui qui va détruire le monde là, regardez, c'est moi qui suis arrêté là. Moi, je suis en train de parler là. On pense que je ne peux rien faire là. C'est moi, je vous dis, je vous annonce. Ce que je vais faire là, j'ai dit je vais le faire, mais c'est le moment venu que vous allez voir effectivement de quoi je suis capable. Actuellement là, je suis femme. Prenez ça comme ça. Parce que le jour, je serai garçon là. Ça va chauffer. Parce que je vous dis toujours que je ne vais pas rester toujours dans le temple comme ça, en train de vous enseigner. Non. Arrivé à ce moment, vous n'allez plus me voir dans le temple. Non, j'ai fait quoi avec vous encore? Je vous ai déjà enseigné. Les prédicateurs vous enseignent matin, midi. Eux-mêmes là, ils n'auront même plus le temps de vous enseigner. Tellement le temps même. Tout est chaud. Ils vont enseigner qui? Ils ont le temps. Hein? Ils seront sur mes jets d'hommes. C'est qui vous allez recevoir? C'est qui vous n'allez laisser? Actuellement, les humains, les hommes font comme si Dieu de Naomi ne les intéresse pas. Ça va les intéresser, laissez-les. Mais aujourd'hui, faites pour vous. Demain, quand ça va les intéresser, la porte du ciel sera fermée. Tu ne vas plus demander pardon à Dieu et obtenir gain de cause. Non. La bonne saison, c'est maintenant. La mauvaise saison vient demain. Au moins, tout le monde va dire oui. Ah, c'est effectivement Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas aller les voir crier, pleurer, sauter. Je vous dis qu'en ce moment-là, même le péché d'un être humain n'est plus pardonnable. Aujourd'hui, vous venez, je vous pardonne tous vos péchés. Vous deviendrez blanc comme neige. C'est moi, je pardonne le péché d'un être humain sur la terre. Moi. Si tu as fait quelque chose, si je ne vais pas pardonner tes péchés, là, ça va rester sur toi. Là. Ça va rester. Mais tu le sauras quand tes deux yeux là vont se fermer. Parce que tu peux dire, je m'en fous. Mais quand tu vas mourir demain, tu sauras que tes péchés sont là. Que Dieu vous bénisse. Mansour Aitramoso, j'ai un peu parlé en français. Je peux capter un peu le baoulé, s'il vous plaît. Je peux capter un peu le baoulé. Non, de toutes les façons, c'est baoulé, je parle. Si vous avez dit non, je vais parler. C'est à cause des étrangers, j'ai capté un peu en français. Sinon, ici, je parle en français. Je parle en français. Un peu seulement, mais je parle en baoulé. Les gens disent que c'est le Dieu des baoulés. Ne va pas là-bas. Il faut rester là-bas. Quand on parle en Israël, on dit hébreu. Aujourd'hui, quand vous suivez Dieu ici, là, est-ce que Dieu là, c'est pour les doulas? Dieu là, c'est pour les bétés? Dieu là, c'est pour les gourous? Mais Dieu là, c'était pour qui? On pourrait dire que c'est pour les Hébreux. Mais aujourd'hui, là, il est pour qui? Il est pour tout le monde. Ça veut dire que Dieu, là, il est pour tout le monde. Quand il vient sur la terre, il est obligé de prendre une langue pour communiquer. C'est tout. C'est très simple. Sinon, Dieu n'est pas baoulé. Mais il faut que Dieu s'exprime au moins. Mais il va s'exprimer dans quelle langue? Dans la langue que lui-même l'aura choisi. Dieu a choisi la prophète Naomi qui est baoulée. Vous voulez que Dieu parle en quoi? Quand on dit Dieu parle à la prophète Naomi en direct, Dieu là, les étrangers, Dieu parle en direct, pas en différé. Naomi ne dort pas, mais Dieu lui parle matin, midi, soir. Ça fait plus de 40 ans. Et le message, c'est quoi? Le monde est fini, Naomi. Je suis venu détruire le monde. Avant de détruire le monde, il faut que je rassemble tous mes enfants, que je leur pardonne leurs péchés. Que c'est mes enfants effectuent des travaux pour moi afin que je puisse me baser là-dessus pour leur donner la vie éternelle. Et c'est ce travail que Dieu et vous effectuez actuellement sur la terre. Soyez fiers parce que Dieu n'appelle pas n'importe qui. Si aujourd'hui Dieu vous a aimé, qu'il vous a choisi, c'est une grâce.
Vous voyez, les hommes de Dieu que vous voyez, les prédicateurs que vous voyez, ils ne sont pas allés à l'école pastorale. Ils n'ont pas appris la parole de Dieu comme les autres. Mais ce sont eux qui enseignent là. Mais ceux-mêmes qui sont là, ils ne sont pas allés à l'école pastorale. Mais il n'y a pas un pasteur sur la terre qui peut les affronter. Moi, je demande ça, mais je n'obtiens pas. S'ils veulent affrontement direct, en direct à la télévision, RTI. Puisque vous dites que moi, je suis le faux Christ, en direct. Pourquoi je suis faux Christ? Vous allez dire à l'humanité, moi aussi, je dirai pourquoi je suis là. On verra la vérité. Vous les Ivoiriens, vous m'appartenez, vous. La Côte d'Ivoire, le territoire ivoirien, c'est pour moi. C'est pour Dieu. Attends, vous les Ivoiriens, la même là, vous ne voyez pas clair. Vous ne comprenez rien. Hein? Donc, c'est à cause de ça vous appelle quelqu'un qui ne voit rien là. Donc, tout ce que je fais pour vous sur la terre ici, en Côte d'Ivoire, là, vous ne savez pas que Dieu est avec. Dieu est là, il est en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Hein? Avec tout ce que je fais pour vous. Mais bon, quand il dit en Côte d'Ivoire, ils sont là, hein, indifférents, ça ne leur dit rien. Ça. Vous pensez que vous, les problèmes que vous avez là, qui vous sauve? C'est moi là. Vous pensez que si moi je n'étais pas en Côte d'Ivoire là, vous ne seriez pas dans le chaos ici? C'est à cause de Naomi? Regarde ici, les hommes de Dieu pensent que c'est avec les prières qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Oh! Priez Dieu. Si Naomi n'est pas ici, là, si Naomi n'était pas en Côte d'Ivoire ici, là, vous allez comprendre vos douleurs. Avec tous les péchés que vous faites matin, midi, soir, vous égorgez les gens, vous tuez les gens matin, midi, soir, vous versez le sang humain. Vous pensez que Dieu est content? Tu vois, des gens, c'est leur travail, verser le sang humain. Tu sais ce que le sang humain coûte? Tu peux fabriquer du sang humain? Tu connais la valeur du sang humain? Et puis tu verses le sang humain. Tu ôtes même la vie d'une personne. Tu sais ce que tu mérites? Il faut attendre. Et c'est ce que vous faites sur la terre matin, midi. Aujourd'hui, je suis en train de parler. D'autres sont en train de tuer des gens derrière. Voilà. Et un monde comme ça, vous pensez que ça va rester là? Attendez dans 10, 20, 30 ans, vous allez voir comment le monde sera. Vous irez de mal en pire. Vous pensez que le monde là sera bon? Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, je dis le monde entier. Rien de bon. Vous pensez que vous allez avoir la paix du cœur encore? Vous avez menti. Mon Dieu, je vous dis, vous, les humains, je n'ai pas parlé de Côte d'Ivoire, je dis les humains là. Vous, si vous pensez que vous allez avoir la paix du cœur, que ça soit blanc, que ça soit noir, que vous serez en paix encore sur la terre ici, c'est que moi, le Dieu de Naomi, là, ce n'est pas le véritable Dieu. La paix. Vous savez ce qu'on appelle la paix? Moi, je dis, je suis venu détruire le monde à cause de vos péchés, là. À cause de ce que vous faites de mauvais sur la terre. L'être humain, il est mauvais de cœur. Vous pensez, s'il ne vient pas vous enseigner, vous encadrer, vous mettre dans le bon chemin? Je suis sûr qu'il y a certains parmi vous aujourd'hui là qui seraient en train d'aller tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Mais aujourd'hui, que moi Dieu, je suis sur la terre, que je t'ai fait venir parce que tu m'appartiens, est-ce que tu peux faire ça encore? Vous pensez que ceux qui sont là-bas en train de faire ces conneries là, si ils viennent à moi, que moi je les enseigne, que je mets mon esprit en eux là, ils peuvent faire ça? Ou toi-même quand tu es en train de penser un peu à aller tuer quelqu'un, ton cœur fait comme ça, piou! Une fois que tu allez vous-même là, quand vous partez faire vos péchés là, vos petits, gros, bien, moyen, péché. Quand vous faites, dimanche, quand vous allez venir, quand vous venez comme ça, quand vous voyez la porte comme ça, vos cœurs font comme ça, pia, pia. Quand ton cœur a fait pia, 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 ton cœur qui fait pia, pia là, automatiquement tu te souviens de ton péché que tu es parti faire. Quand c'est comme ça là, il ne faut pas rentrer dans le temple ici, il faut aller te confesser avant de rentrer ici. Mais il y a certaines personnes, quand ça fait ça là, ça ne leur dit rien, ils viennent tout, et puis ils rentrent tout. Et puis ils viennent s'asseoir ici, sur la chaise là.
chier. Donc, toi, tu penses que ce que tu es allé faire là, Dieu il n'a pas vu. Ah bon, mais toi-même, tu sais que tu es allé faire, tu as péché, tu as fait quelque chose de grave, tu viens là. Pourquoi tu ne te confesses pas avant de rentrer dans le temple, saint temple de Dieu? Et puis tu viens t'asseoir là avec tout ce qui est noir sur toi pour salir la chaise. Pourquoi vous fatiguez Dieu comme ça même? Hein? Comme ça, si je fais parler avec toi, que je t'ai giflé, on dit, monsieur là, il frappe l'homme. Il ne faut pas te lever, elle n'a rien fait. C'est un exemple, c'est vous tous, je vais parler de vous tous. Toi, tu veux te lever pour voir la personne là. C'est de vous tous que je parle comme ça. Hein? C'est pas elle seule, c'est pas elle, elle n'a rien fait. Mais c'est un exemple que je prends et c'est vous tous, vous êtes replantés là. Vous qui faites ça là, c'est vous. Je pouvais prendre celle-là, je pouvais prendre celle-là, mais c'est elle. Et donc, quand vous voulez vous asseoir ici, avec les péchés non confessés, sachez que la chaise elle-même qui est là, je vais vous expliquer même, la chaise qui est là, afin que toi tu ne viennes, les anges bénissent. Ça veut dire quoi? On purifie. Tout est purifié. Mais il y a certaines personnes, quand ils s'assoient sur les chaises, ils se lèvent, ça devient noir. C'est moi qui vous le dis, hein. Ça devient noir. Parce que tu ne t'es pas confessé. Dans la semaine, tout ce qui t'a fait de mauvais, au lieu de venir te confesser, Dieu va te purifier avant de faire le culte. Tu viens t'asseoir là avec tous tes péchés que tu as fait. Et tu es venu chercher quoi? Et tu te présentes devant moi parce que tu ne me vois pas vis-à-vis. Ça ne te dit rien. Dieu n'aime pas le péché. Hein? Le Dieu de Naomi n'aime pas. Moi, je vous enseigne. Je vous mets sur la bonne voie. Pour ne pas que demain, au jugement dernier, que vous dites que ça là, on ne m'a pas dit. On ne m'a pas dit, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et donc, confessez-vous. Confessez-vous. Confessez-vous avant de rentrer les dimanches au temple. Toi qui n'as pas le temps, tu peux te confesser le samedi, le vendredi, au cours de la semaine. Confessez-vous. Confessez-vous. Toi, tu dors. Attends, vois tes yeux. Tu dors pas. Tes yeux comme ça, là, tu dors pas. Attends. Tu t'en vas où? Ce que je suis en train de dire là, ça ne t'intéresse pas. Hein? Et puis, tu dors. Envoie-moi boire ici. Envoie-moi boire là. Où tu as passé pour sortir aujourd'hui, tu vas voir. Les étrangers, fermez vos oreilles et puis fermez les yeux. Ça, c'est un problème interne. Envoyez bois là. Aka. Je sais que si je vais, elle va partir. Et on fait comment? Ça va un peu? Que Dieu vous bénisse. Je peux avoir ton sac, s'il te plaît? Je peux avoir ton sac? Il y a toujours solution, hein? Il y a toujours solution. Vous voyez, j'ai eu. Tu as vu? Et puis, si je veux même, je peux enlever ça là, pour que ça soit long. Vous voyez? C'est pas compliqué. Voilà. Ça fait mal? Ça fait mal, non? C'est avec elle que j'ai pris ça, non? Je l'ai chicoté, non? C'est que toi, je ne vais pas te rater. J'ai pris son sac, mais je l'ai tapé. Donc, de te laisser. Je l'ai tapé. De la laisser? Donc, toi, tu es là, tu dors. Toi,
Toi, tu es vieille dans Patmos comme ça. Depuis que tu es dans Patmos, on t'a dit qu'on vient à l'église. On dort. On t'a dit, on dort. Qui t'a dit on dort? Donc, la parole de Dieu, toi, tu me prends photo là, tu veux faire quoi avec ça? Efface! Je chicote quelqu'un. Toi, tu viens te chicoter aussi, on va te prendre photo aussi. Tu vas dormir encore. Tu vas dormir encore. Le jour où tu vas dormir comme ça, là, tu vas aller dormir devant moi là-bas. Ma fille, pardon. Hein. Faut pas te fâcher, t'as compris? Toi, tu n'as rien fait pour te chicoter, non? Hein? Faut pas te fâcher, t'as compris? Je te demande pardon. Tu pardonnes mes péchés? Mais pardonne-moi, hein? Ok, tire ton sac là et puis arrange. Tentation. À cause de toi, les étrangers vont dire que le monsieur là, hein, il frappe l'homme. Moi, il ne frappe pas. Je vois quelqu'un dormir. Il a coupé ses deux oreilles là. Même les vieilles là ne dorment pas. Vous les jeunes filles là, c'est vous qui dormez. Ne dormez pas, hein? Et caquez vos gros yeux là, et voir. On ne dort pas ici. Si vous dormez, moi je vous laisse et puis je m'en vais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes enfants étrangers, vous voyez, on dit le berger. Le Seigneur Jésus-Christ est le berger. Le berger, il dirige les brebis. Mais quand il y a un brebis qui est têtu là, on fait quoi? Et il y a celui qui est en train de faire pète, c'est quoi? Les moutons, un peu partout. Quand il y a un mouton qui est dedans, qui est têtu, on dit il faut aller devant. Lui, c'est toujours qui va dans la brousse là-bas. Le berger là, il fait quoi? Il prend pour parler, le dresser, le taper là pour qu'il puisse rentrer dans le troupeau. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, toi, on te tape là. Tu ne veux pas rentrer du tout là. Qu'est-ce qui t'arrive? Le loup fait quoi? Il te tue. Et c'est ce que je fais avec vous. Moi, je suis le berger. Vous êtes mes brebis. Mais les brebis qui sont têtus, je suis obligé de les dresser. Et souvent, c'est ce que je fais. Avant, je faisais plus que ça. Maintenant, là, je suis devenu docile. C'est fini, j'ai arrêté tout ça, n'est-ce pas? Avant là, je chicotais. Avant, je ne m'amusais pas. Maintenant, je ne fais plus ça. Les prédicateurs, est-ce que je fais ça encore? Je ne fais plus ça. Je ne fais plus. Avant, tu arrives ici, tu vas voir les bois là. Je les ai chicotés jusqu'à bois là, c'est cassé ça ici. Mais maintenant, je ne fais plus. Je me dis que vous êtes adultes, vous êtes des grands. Bon, je vous ai enseigné, vous savez ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, ce qui, celui qui veut la vie éternelle. Il prendra la parole de Dieu du bon côté. Mais si toi, tu ne veux pas la vie éternelle, mais ce que j'ai dit, tu vas rejeter du revers de la main gauche. Est-ce que je ne t'ai pas parlé? Je t'ai parlé, non? Si toi-même, tu sais que dimanche, là, tu vas venir à l'église, je te dis qu'il ne faut pas aller pécher. Que lundi, mardi, là, toi, c'est dans les boîtes de nuit, tu es. Ou toi, c'est dans l'adultère, tu vas commettre là. Quand tu vas faire tout ça là, et puis dimanche, tu viens te planter devant moi. Tu te fais comme tu es le saint ou bien tu es la sainte. Et donc, aujourd'hui, là, si je veux vous trier pour voir ceux qui sont aptes à rester ici là. Vous savez combien à rester dans la maison là? Ah, si vous voulez là, on va essayer. Je vais vous vérifier. Celui qui peut rester ici là, il va rester. Toi, tu es un petit pécheur, je te fous dehors. Si vous voulez, vous allez rejoindre ceux qui sont dehors là-bas. Maintenant, ceux qui sont dehors, ils vont derrière la clôture. C'est ce qu'on va faire. Que Dieu vous bénisse. En fait, ça vous dit que Dieu n'aime pas le péché. Fuyez au maximum, énormément le péché. Le monde est gâté, le monde est pourri. Regarde, quand vous sortez comme ça, vous partez à la maison même. Quand vous voyez, vous les garçons, vous voyez certaines personnes, des femmes qui sont habillées déjà,
ça vous fait déjà pécher. C'est grave. Un monde pourri comme ça, si vous ne faites pas attention, comment vous pourrez arriver? Faites un effort surnaturel. Parce que Satan lui-même, il envahit le monde. Tout ce qu'il doit faire pour détourner l'attention des humains à l'égard de Dieu, et c'est ce qu'il fait. Mais comme lui n'est pas plus grand que moi, Dieu, tous ceux qui m'appartiennent dans ce monde-là, je vais les avoir. C'est clair? Je vais les avoir. Mais si Satan arrive à prendre moi mes enfants, c'est que je ne suis pas Dieu. Mais c'est pourquoi Dieu est sur la terre. Parce que si Dieu ne vient pas, vous serez gâtés, détruits par les pensées de Dieu, les actes de Satan, par les pensées de Satan, les actes de Satan. Je vous dis quelque chose. Vous pensez que ce que les gens font dans le monde, vous voyez, il y a certaines choses qui se passent, bien il y a des filles. Regarde ici. Il y a des gens, vous voyez là. Il y a des femmes, vous voyez. Il y a des femmes, hein. C'est pas tous, il y a des femmes que vous voyez qui s'habillent. Tu les vois en train de s'habiller avec des trucs comme ça. Comme ça. Des filles qui ne peuvent même pas s'abaisser. Entre nous, une femme qui a une sagesse, que Dieu lui a donné sa sagesse, vous les femmes là, si on vous demande de vous habiller comme ça, tant normal là, vous pouvez. Hein? Est-ce que vous avez l'idée, cette idée-là, en tête de vous habiller comme ça, la femme? Mais pourquoi vous habillez comme ça? Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est Satan lui-même qui introduit ce genre de choses au milieu de vous. Et lorsque vous voyez déjà, vous voyez des personnes, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des... Ceux qui envoient ce genre de choses premièrement comme ça dans le monde, ce ne sont pas des humains. C'est des envoyés de Satan. Mais pas des autres êtres humains. Peut-être des génies transformés. Est-ce que vous savez que Abigail s'est rempli même de génies, de revenants? C'est parce que vos yeux là, vous ne voyez pas clair. Sinon, vous allez les voir. C'est rempli. D'autres même là, vous partez manger ensemble comme ça quelque part, mais ce n'est pas des hommes. Mais vous ne savez pas. Et donc si un élément de Satan, quand les anges viennent sur la terre, ils vous enseignent la parole de Dieu, ils vous montrent la voie à suivre, ce que vous devez faire qui est bon, ce que vous devez faire qui est bon, ce qui est mal, ils vous disent que non, ne faites pas cela. Mais les envoyés de Satan, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous amènent à emprunter le mauvais chemin. Et donc si elle est venue, elle peut s'habiller comme elle veut. Si elle veut, elle peut se promener nue. Mais tu vas penser que c'est un être humain qui est là. Par contre, ce n'est pas un être humain. Maintenant, quand vous, les femmes, quand vous allez voir ça, vous allez penser que c'est un être humain qui est en train de faire ça, une mot qui est venu, c'est un être humain. Et vous commencez à faire quoi? À copier. Et ça prend le monde. C'est des bêtises. Parce que Satan sait qu'en faisant ça, vous ne pouvez pas résister. Vous-même, votre propre force. Maintenant que Dieu est venu, si toi, tu allais te promener nu là, ce n'est pas moi qui t'ai enseigné. Moi, je vous dis toujours, habillez-vous bien, n'est-ce pas? Hein? Les conneries là, ne faites pas aussi. Je vous ai dit que je vous ai enlevé dans le monde pour vous mettre dans le domaine de Dieu. Voilà pourquoi je dis, vous êtes ici, où? Au ciel. Vous pensez qu'au ciel ici, là, on s'habille n'importe comment? Il y a des manières de s'habiller qui sont bien beaux, bien jolies. Tu n'as pas besoin. Bon, vous-même, vous savez, je ne suis pas venu pour... Mais moi, je veux que mes enfants apprennent le chemin de Dieu, le bon chemin, le droit chemin. Ne faites, vous les femmes, ne faites pas pécher les gens. Vous les garçons aussi, ne faites pas pécher les femmes.
Vous les femmes, vous pouvez être bien habillées. Quelqu'un peut vous apprécier, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'habilles nu, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Toi-même, tu cherches quoi? C'est quoi? C'est quelle idée tu as dans la tête? Et puis tu t'habilles comme ça là. C'est quelle idée? Tu as quelle idée? C'est l'idée que toi-même tu as là. Et puis tu t'habilles comme ça là. C'est l'idée là qui est mauvaise. Voilà pourquoi souvent je vous dis que quand quelqu'un est là qui lorgne, quand quelqu'un est là comme ça qui est en train de. Moi je suis là. Je suis en train de te lorgner comme ça. Je te lorgne comme ça, non? Qu'est-ce qui est péché dans ça? Je suis là comme ça et puis je fais ça. Et puis tu es en haut, en bas. Tu fais comme ça. Toi, dans ta pensée là-bas, tu penses quoi? Tu n'es pas bien. En fait, c'est parce que c'est moi. Je prends un exemple de monsieur. Viens. Lui, c'est lui. Il est là et il te lorgne. Qu'est-ce que c'est ta réaction? Moi, je vais dire qu'il me regarde méchamment. Voilà. Alors que ce n'est pas la bonne manière de me regarder. C'est pas la bonne manière de te regarder. Tu as dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai fait quoi? Voilà. Selon toi, lui, il a une idée derrière la tête. Voilà pourquoi il te regarde comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, est-ce que c'est du péché? Me lorgner, puisque c'est pas dans le bon sens. Bon. Qu'est-ce que tu fais dire que c'est pas dans le bon sens? Mais il me regarde méchamment. Mais qu'est-ce que tu fais dire que la manière dont il t'a regardé comme ça là, c'est méchamment? Qu'est-ce que tu fais dire que en te regardant comme ça, il n'a pas l'idée ailleurs? Ah, oui. Donc là, il commet. Si je suis une femme, par exemple, et puis il me regarde comme ça. Hein, si je suis une femme. Je vais dire que ça, lui-même. Toi, tu n'es pas femme, hein. tu es garçon. tu es garçon. Donc, tu es un garçon, il ne faut pas prendre femme. Oui. Mmh. Donc, comme ce n'est pas bien, bon, il est en train de commettre un péché. En fait, bon, d'accord. C'est ça. Ça veut dire quoi, humainement parlant? Quand quelqu'un te regarde comme ça, déjà, tu penses qu'il pense mal de toi. C'est ça, non? Maintenant, devant Dieu, le fait qu'il te regarde comme ça, là, qui est mauvais, ou bien c'est la pensée qu'il nourrit qui est mauvaise. Voilà. Ça veut dire que quand quelqu'un te regarde comme ça, c'est la pensée que la personne nourrit là. Si elle est bonne, il n'y a pas de problème à son sujet. Mais si la pensée que la personne nourrit, elle est mauvaise, c'est qu'il a péché. Est-ce que vous comprenez même? Quelqu'un peut être comme ça et puis te regarder comme ça. Mais quand il regarde comme ça, peut-être qu'il va regarder comme ça, mais son idée est à... ailleurs, il est en train de passer à quelque chose de bon, mais il fait comme ça, et puis il regarde, il fait comme ça. Mais toi, quand tu regardes, tu vois ses yeux bouger. Mais en fait, c'est pas toi qui regarde. Mais son idée là, c'est loin. Il n'est pas là. Peut-être qu'il est en train de penser à son affaire, il est en train de faire quelque chose de... Mais dans ce cas, il n'y a pas de péché, lui, à son sujet. Mais si tu regardes comme ça, en train de t'insulter, en te regardant comme ça dans son cœur, il a péché devant Dieu. Ça veut dire lui... il doit aller se confesser pour ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, en matière de Dieu, c'est comme ça. Tout est spirituel, ce n'est pas physique. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, non? Que Dieu vous bénisse. Et donc, quand toi, ou bien toi, tu t'habilles, la manière dont toi tu t'habilles, là, l'idée que toi tu nourris, et puis tu t'habilles. Si elle est bonne, il n'y a pas de problème. Vous habillez bien, vous venez, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu t'habilles, hein? On voit tout ton corps dehors. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Aujourd'hui, là, est-ce que depuis moi, je parle, j'ai une fois parlé des Aïzi. Donc, on révisait ça, là. Je n'ai pas encore vu parmi vous quelqu'un qui s'habille. Je ne sais pas si vous partez à la maison, vous faites ça. Ou bien il y a certaines personnes, quand ils vont à la maison, c'est comme ça qu'ils s'habillent là-bas. Quand ils viennent à l'église, ils s'habillent bien. Non. Si vous venez à l'église, vous vous habillez bien. Quand vous sortez, habillez-vous bien. Dieu aime que vous habillez bien. Amen. Non? Vous êtes bien habillé, ça plaît à Dieu. Mais ne vous habillez pas mal. Vous avez compris? Ce que le monde fait là,
le monde aura sa récompense. Ce que vous aussi vous faites, vous aurez vos récompenses. Que Dieu vous bénisse. Mansoura et Tramoussou. M'envoici les Otramoussou. Nous sommes que Amouraoula, Amoupa. Que presque à Tébé ou Rabé, un versement de Tire Oyamouklan. Mamou Jasona Beniamoukaï. Ah! Amounia. Bétise, Béagne, mais oulé. Hein? Ambunda, mambé. Voilà, am transé. C'est Anna Bepay, Biaoula, Tico Kanvio, Pepe, Pewasa. Béoufle, quoi, Guasoulet. Tico Kanvire, Béoufle, Guasoulet, Béouenou, Drembaklaoulet. Y'a bien Adjana. Amouissa, bien Adjana, Fabio, Kanvio, 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 ma blam. Kamouni, ça, c'est un dingo sous Kelle. Il y a un nianze, un zouania. Ocle Kelly, c'est, il peut pas payer son, ok, il parle de Dengabe Kelle. Il peut pas se faire des 5 mois sur ça qui a moi, Mouzé, à mon tinoué. Mais quoi, bébé, ça? Ma blabon, à mon yakabé, à mon jasson à béni à mon vieux saisi. Kébé, voilà, à mon jasso. À mon ya. Bien, voilà, bébé, on clé avec quoi, voilà. Bébé, n'y a mais, y a oué, c'est tiéyo. À mon ba, kébé, à mon miso à moi, enfin, mais on traite à goût. Mais on traite à goût. À mon carnier, beaucoup à moi, hein? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Yo, amunia. Très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont Benga betting ya moni amunia fanga mo biwo la beuni kebe tant tablisiro amunia kebe wo la beuni amukusu amunia besu beli ensuvie na amura mu sovie amen ambonga mu gwae bo se sraku ba so no na awura versi boy nde fin malai ka awura versi wala awura versi nya wole clean pa ta so nde fion malai wala se ka versi nga wole le tinga anzo fa awura versi nga tren u chai afi ye ni an versi ye no. Ça a roulé vers le bali, c'est un jour fort, il y a un vers le bali, on attraîne tout de suite. Ça a mis en tête. Afin que vous ayez une gamme, on va signer ça. Il nous bouge, mon soleil est tramoussé. Maman, à mon petit pas, à mon lamon client, à mon yusa soukou soukou, à mon lamon soukou soukou, quand j'ai mon menoy, c'est un kusumai, yamien de ou à mon sano, amen. Quand bamou yamé kande klamo, bamou koi, yamien de ou à mon sano titi, à mon fan, à mon tran, à mon nantisou. Niamusu, Katamusu, Satan, Sakoya, Moniki, Fi, Baisa Niam Kekeno Boussa, Bikrabia, Skesamke, ici, le sorcier n'a pas de pouvoir. Les marabouts que vous voyez là, vous là, vous tous, vous les mangez comme cuidants. Ils sont rien. Ils peuvent rien vous faire. Le plus grand sorcier du monde, il peut rien. Vous voyez, souvent, on dit, il y a réunion ici, des, par exemple, des francs-maçons, n'est-ce pas? Les francs-maçons, ce n'est pas les francs-maçons, ce n'est pas ce qu'ils font. Vous savez ce qu'ils font. On dit il y a réunion, par exemple, des francs-maçons en Côte d'Ivoire. Ça scandalise qui? Le plus souvent. Les religieux, là. Et les hommes de Dieu, ça les scandalise. Mais je me pose la question, ça vous scandalise en quoi? Pourquoi? Moi aussi, là. Tu es franc-maçon. On s'en fout. Parce que toi, ton franc-maçon, là, nous, quand on t'attrape, on mange et puis on jette. Tu peux rien nous faire. Tu peux rien détruire en nous. Tu peux rien. On a pouvoir sur toi. Il y a quoi? Mais vous avez Dieu. Si quelqu'un n'a pas Dieu qui l'a fait, il fait ses pratiques là-bas. Ça vous dérange en quoi? Vous êtes la même chose ou bien vous n'êtes pas la même chose? Si ça vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Très mal. Non, il vient, nous on fait notre église, n'est-ce pas? Qui nous dérange? Si un vient faire les réunions en Côte d'Ivoire, ton problème c'est quoi? Petite prière, mais très efficace. Mais s'il veut nous déranger, si nous on fait un seul jour de jeûne,
ils sont anéantis. Est-ce que vous avez vu que nous on a jeûné pour quelqu'un une fois ici? On a jeûné contre quelqu'un une fois ici. Mais le premier jour, nous, on va essayer de faire jeûne pour quelqu'un ici, là. La personne va savoir qu'il a affaire à Dieu, vraiment. Nous, on ne fait pas ça. Hein. Mais nous, on ne nous dérange pas. Les anges sont là pour combattre. Tu es venu. Si c'est ce celui, tu veux faire où? Si c'est Marabouta, tu veux faire où? Mais nous, on s'en fout. Vous pouvez combattre quoi? Vous là. Vous pouvez combattre quoi? Satan. Vous avez quelle force? Pour combattre Satan, vous avez quelle force? Satan et ses anges là. C'est comme vous dites qu'on veut combattre les anges de Dieu là. Ils sont forts. Les anges de Satan. Satan lui met ses anges là. C'est des anges déchus. Ils étaient anges comme les anges Gabriel que Dieu a chassés. Ils ont une puissance supérieure à la vôtre. Donc, vous ne pouvez pas les combattre. C'est Dieu qui combat à votre place. Ça, c'est clair. Quand je vois des gens en train de... Viens ici. Koto. Je vois des gens... Hein? Démon sort! Démon sort au nom de Jésus! Démon sort au nom de Jésus! Démon sort au nom de Jésus! Démon sort! Démon sort! Démon sort! Démon sort! Tu es vaincu! Tu es vaincu! Il ne sait pas quel mot ils emploient encore. Hein? Au feu! Au feu du Saint-Esprit! Détruit! Il n'a qu'à détruire qui? Ce démon sort là, il va le faire pendant une heure de temps. En train de faire cette délivrance là, 30 minutes, une heure, en train de crier démon sort. Il y a de l'eau là-bas, il va boire un peu, il vient. Il va prier jusqu'à... Si toi tu ne veux pas sortir là, démon sort, démon sort, démon tu as fait comment? Il va tomber là-bas. Il faut t'asseoir. Mais ici, nous on ne fait pas de démon sort. Mes enfants étrangers, on ne fait pas de démon sort ici. Et qu'est-ce que vous êtes venus? Vous êtes venus, on a fait démon sort. Non, on a fait quoi être démon? Parce que le démon, là, quand il vient et puis il va rentrer ici, au portail, là, vous voyez, au portail, il y a les anges qui sont là, qui contrôlent toutes vos entrées. Les anges, eux, ils sont là tous les jours, au portail, là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les anges, là, sont là. Dans la cour, là-bas, là, que vous voyez comme ça, là, ils sont versés. Vous dites, waya. Là-bas, là, de toute façon, vous voyez là-bas, cours que vous voyez comme ça, là. Ils sont versés là-bas. Ici, là, ils sont remplis. Ça, c'est les jours ordinaires. C'est les jours ordinaires. Mais quand on dit dimanche, ça descend seulement. Ici, il y a ces remplis d'anges. Voilà pourquoi est-ce que la cloche, là, vous sonnez. Quand on sonne la cloche, king, king, au ciel, là, on sait qu'il est l'heure. Maintenant, si c'est pour s'apprêter pour venir, les anges s'apprêtent à pouvoir venir. Le dimanche, vous sonnez combien de fois? Normalement, on sort combien de fois le dimanche? Vous sonnez combien de fois? Vous sonnez ici trois fois. Trois fois. À quelle heure? À quoi? À 5 heures du matin. Ça, c'est pour les prières. Maintenant, après? À 7 heures, ça veut dire quoi? À 7 heures, c'est pour signaler. Pour signaler que... attention, attention, apprêtez-vous, on fait le culte, apprêtez-vous, les anges aussi s'apprêtent là-bas que, ah, on nous a dit qu'il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Si c'est pour s'habiller, c'est pour porter les armes, tout ça là, ils s'habillent. Voilà. À 8 heures. Quand on sonne net, il est l'heure. Si c'est pour descendre là, il commence à descendre. Et c'est là que vous pouvez prendre non, les cantiques.
Et donc, là, le portail, là, c'est surveillé matin, midi et soir. Quand tu viens à l'église, vous commencez, vous là, est-ce que vous savez où vous commencez à voir les anges même? Et ils sont là, ils vous contrôlent. Mais ils sont devant là-bas. Dimanche, ils sont postés devant là-bas. Quand vous venez là, vous les dépassez. Maintenant, ce que vous dépassez comme ça là, ils ne vous contrôlent pas. Ils ne vous contrôlent pas trop. Voilà. Ils ne vous contrôlent pas trop. Mais il y a des gens, quand ils viennent, s'ils ont les génies, les trucs là, et ils restent derrière là-bas avec eux là-bas. Voilà. Et ces gens de conneries là, et ils les stoppent. Maintenant, toi-même, tu viens. Arrivé au portail, on te regarde. Ton devant, ton derrière. Tout ce que tu fais, tout est bra-bra. Enregistré. Tu vas rentrer. Tu es en scanner. Quand tu vas rentrer, ici là, vous voyez le portail qui est là, ils sont calés. Il y a un ici, il y a un ici. Ils sont là. Vous voyez ça là? Il y a un ici là. Il y a un. Vous dites que. Il y a un. Qu'on peut l'appeler? Un dangereux. Il est là. C'est lui qui surveille ça là. Quand les prédicateurs viennent prêcher là, il y a un qui est là. Celui qui est là, quand je dis qu'il y a un qui est là, ce n'est pas les gens qui les suivaient là. Il y a ceux qui les suivaient, qui sont avec eux, matin, midi, soir. Partout où ils vont partir, ils sont avec eux, comme vous. Partout où partez, les anges vont avec vous. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Il y a un, lui, il est là. Il est là pour quoi? Il est là pour venir prendre le message que le prédicateur va donner ce jour-là. Parce que chaque dimanche, quand ils prêchent, ils sont notés. Chaque dimanche, quand un prédicateur prêche, il est noté. C'est parce qu'on ne leur envoie pas les notes. S'ils veulent, ne qu'à demander, quand ils vont dormir, là, ils vont aller envoyer les notes. Vous là, on ne vous a jamais envoyé vos notes. Il n'y a pas quelqu'un qui on n'a jamais envoyé vos notes. Il a dit, on peut vous envoyer vos notes. Donc, on les note. Quand vous rentrez, on vous regarde là encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous quittez à la maison, vous venez, on vous contrôle jusqu'à ce que vous rentrez ici. Il n'y a nulle part ailleurs, pas dans une église sur terre, que cela se passe. Il n'y en a pas. C'est unique. Tout cela, pourquoi? Parce que Dieu est ici avec sa prophétesse. Avec son épouse. Et donc, tout est réuni. Si, en tout cas, si vous croyez que Dieu est ici, ce que je vous dis là, croyez. Si vous ne croyez pas que Dieu est ici, ne croyez pas. Parce que du moment où Dieu est ici, les anges sont là. Matin, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Les dimanches, ils sont là. On finit le culte, ils remontent avec tout ce qu'ils sont venus prendre. Vos péchés, ils remontent avec. Tout ce que vous avez fait, de louange, la louange que vous faites, ça se transforme en... Rien ne se fait au hasard ici. Rien ne se fait en vain. Tout ce que vous faites, tous les travaux que vous faites, on recueille tout, on envoie au ciel le dimanche là. Tout. Et tout ça là, à cause de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Croyez fermement. Croyez fermement au Dieu de Naomi. Mes enfants, les étrangers, c'est la vérité. Ce n'est pas du mensonge. On ne peut pas vous mentir. On va vous mentir pour avoir quoi? Si je dois vous mentir, je vais vous mentir pour avoir de l'argent avec vous. Aujourd'hui, là, quand je parle un peu, vous allez enlever quête tout de suite pour me donner l'argent. Quand je fais 30 minutes, on va... Je dis, mais je vais vous dire que moi, Dieu, je ne parle pas en vain. Moi, ma bénédiction, là, ça se paye. Quand je dis, soyez bénis, vous allez me donner l'argent parce que je vous ai béni. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle anarchie en matière de Dieu.
Quand vous êtes venu, je vous ai parlé de l'argent ici. Je vous ai dit de croire en Dieu. De croire au Dieu de Naomi, au Dieu d'Israël. Je dis, croyez, abandonnez les péchés. Satan peut vous-même vous dire d'abandonner les péchés, d'apprendre le bon chemin. Satan, si vous allez dans une église, même si c'est un mouton qui est arrêté là, qui vous dit, ne péchez pas, croyez en Dieu là, croyez en Dieu. Si vous croyez que vous ne péchez pas, vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que c'est avec Dieu qu'on peut avoir la victoire sur le mal, non pas avec Satan. Si vous allez quelque part, on vous dit, croyez en Dieu. Et puis on vous parle de la parole de Dieu, des recommandements de Dieu. On vous dit de ne pas pécher, d'emprunter le bon chemin. Sachez que ce lieu-là, ça peut vous arranger. Ici, on ne parle que de la vie éternelle. Dieu n'aime pas le péché, je vous le dis. Voilà pourquoi les gens, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à suivre le Dieu de Naomi. Parce qu'on leur dit de ne pas pécher, de ne pas commettre l'adultère. D'autres disent, moi, femme, je peux m'asseoir comme ça, ne pas commettre l'adultère, ne pas aller chez un homme. Tu peux le faire, tu es libre. Mais moi, je te dis, mon Dieu, je te dis, si tu fais ça, ça détruit ton âme. Tu peux pas. Mais si tu veux le faire, il faut le faire. Il n'y a pas de problème. Mais sache que ça détruit ton âme. Je t'ai déjà dit. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais si tu trouves que c'est bon, tu peux le faire. Mais je t'ai déjà dit. Donc, je vous montre le droit chemin. Empruntez ce chemin-là. Vous verrez la gloire de Dieu. Devant se trouve le bonheur. Quand je dis que le monde est fini, le monde est fini. On ne parle que de la fin du monde dans le peuple de Patmos, ce n'est pas ailleurs. Personne ne peut parler de la fin du monde, seul Dieu. Nous sommes à un moment, à un temps, un moment critique. Pour les humains, c'est la joie. Pour les humains, c'est le bonheur. Pour les humains, c'est la belle vie. Mais moi, je vous dis, ce moment que nous vivons là, ça fait très peur. Très peur. Parce que Dieu est en train d'aiguiser sa machette. Nettoyer, ils sont en train de nettoyer leur physique. Parce que le combat, la lutte, va déclencher très bientôt. Vous allez voir l'humanité, vous allez voir les hommes, vous allez voir ce qu'ils vont faire ici. D'autres même vont se lever contre moi. Parce que peut-être je suis en train de les gêner, de les emmerder. Ils vont se lever. C'est dans ça que vous allez voir. Le combat sera farouche. Vous allez voir, vous-même vous allez comprendre, vous allez voir. Quand je vous dis que vous n'allez plus me voir ici, je ne vais plus rentrer dans le temps. J'ai fait quoi? J'ai dit, je vais aller. Je ne suis pas venu arranger le monde. Quand je parlais au début, je dis que vous aurez mal à la tête, mais je vais vous guérir. Vous aurez mal au ventre, je vais vous guérir. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas venu pour arranger le monde. Je ne suis pas venu. Bon, il y a certains qui disent, une fois que tu crois que Christ est mort et ressuscité, tu as tout sur la terre, tu dois, quand on est. On va à l'église, on doit tout avoir, on doit avoir l'argent, on doit avoir toutes les belles voitures, on doit avoir tant. Bon, toi, tu n'es pas encore arrivé au ciel là-bas, c'est toutes les voitures du monde, toi, tu veux avoir. Ou bien tout l'or du monde, là, toi, tu veux avoir. Tu vas pour aller où? Ou l'argent, vous allez avoir, là, c'est possible, vous le rébellez contre moi. Les gens, même que tu les vois, ils ont l'argent là. Ils croient en Dieu en quoi? Ils ne croient même pas en Dieu même. Et où ils doivent partir et puis ils vont boire là, c'est là-bas ils s'en vont. Où ils doivent partir et puis ils vont aller chez Marabout là, c'est là-bas ils s'en vont. Si on dit église, on va là-bas, on peut aller chez Marabout, c'est là-bas ils s'en vont. Parce qu'ils mangent des deux mains. Alors qu'avec Dieu, on ne mange pas des deux mains. On mange avec la main droite. Point, c'est fini. Tu veux manger avec la main gauche là, tu as fait à lui. C'est clair. Donc pour suivre Dieu là, c'est difficile. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas venu arranger. C'est qui est en train de se gâter. Au contraire, si ça doit se crouler là, je vais le pousser à se crouler. Mais, tous ceux qui m'appartiennent, ils ne vont pas perdre la vie. Je vais tous les enlever. Je vais tous les prendre. Je vais pardonner les péchés sur la terre ici. D'abord. Voilà pourquoi je suis là. Maintenant, quand on sera en haut,
ceux qui n'ont pas été pardonnés là, ils connaissent leur sort. Je vous demande de croire. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit les étrangers arrivés, priez. En genoux, vous dites que Dieu d'Abraham, on doit te connaître. Dieu de Moïse, on te connaît. Mais on est parti dans un lieu là, dans une église. Ils disent qu'il y a Christ là-bas. Le monsieur noir a dit il est Christ. Dieu tout-puissant. Toi, tu sais tout. Toi-même, là, on ne parle pas et puis tu entends là. Pardon. Il faut nous éclairer. Parce que si c'est faux que moi j'ai accepté, je n'aurai pas la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un concours. Ou si tu n'as pas eu, tu peux repasser. Tu n'as pas eu, tu n'as pas eu. Tu as eu, tu as eu. On ne s'amuse pas avec ça, on ne joue pas. Donc Dieu éclaire-moi. Dieu va vous éclairer. Si c'est Dieu qui est ici, Dieu va vous dire que c'est lui. Si ce n'est pas lui, il va vous dire. Mais c'est ce que les humains refusent de croire, de comprendre. Les hommes de Dieu, on vous dit Dieu est descendu, vous dites c'est faux. Toi, tu es allé apprendre la parole de Dieu. Tu as payé l'argent pour aller à l'école pastorale, pour apprendre la parole de Dieu, pour aller chercher l'argent. Tu dis que moi, je suis Satan. On t'a dit, moi, je suis parti à l'école pastorale. Ou bien c'est un beau matin, je suis levé pour dire, je suis Christ. Avec tous ces démons, avec tous ces gens de mauvaise foi qui sont là, vous pensez, si moi, je ne suis pas Dieu, là, je serai encore là. Hein? Si je ne suis pas Dieu, vous serez là. Si Dieu n'est pas avec la première Naomi, là, la première Naomi serait là. Elle qu'on a essayé maintes fois de la tuer. La voilà qui est là. Si ce n'est pas contre son Dieu. Elle est encore là, une femme. Et aujourd'hui, toi, tu es parti à l'école pastorale, tu es sorti aujourd'hui. Toi, un petit pasteur, tu m'insultes, mon Dieu, que ce n'est pas mon Dieu, parce que tu veux avoir l'argent. Tu penses que c'est l'argent là, c'est ça que tu as parlé pour payer la vie éternelle là. Donc toi, tu es sorti pasteur là, tu penses que la vie éternelle, ce n'est pas pour toi aussi. Vous pensez que les hommes de Dieu que vous voyez, ils sont là, la vie éternelle là, on ne va pas les juger. On va juger tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui peut taper dans sa poitrine pour dire que moi là, on ne peut pas me demander quelque chose. Non, tout le monde est jugé. Tout le monde, il n'y en a pas. Tout le monde. Même Alexandre Cassie, il ne peut pas dire que Dieu ne va pas lui demander, va dire, ne qu'à rendre compte. Il est enfant de la prophète Naomi. Il ne peut pas s'arrêter ici pour vous dire que moi, je suis enfant de la prophète Naomi, donc Dieu ne va pas me demander quoi que ce soit. Non. Pourquoi? Lui, il est enfant de la prophète Naomi. Naomi, là, elle est épouse de Dieu. Toi, tu es son enfant. Mais quand on passe dans le spirituel, là, toi, tu n'es plus enfant de la prophète Naomi. Parce que spirituellement, au ciel, là, il n'y a pas prophétesse là-bas. Le corps de la prophète Naomi n'est plus là-bas. Toi, ton corps là n'est plus au ciel. Sur la terre, ton corps est là. Tu es enfant de la prophète Naomi. Mais quand tu te refais dans le spirituel, tu n'es plus un enfant de la prophète Naomi. Hein. C'est là le problème. C'est là le problème. Quand je dis Marie, on dit Marie là. Marie a accouché le Seigneur Jésus-Christ. Sur la terre aujourd'hui, les gens disent que oui, Marie, prie pour ton fils, demande pardon à ton fils. C'est une erreur grave. Marie là a engendré Christ, le corps blanc. Mais Marie a son âme. Mais quand on se réfère, quand Marie n'est plus là, c'est son âme qui est là. Quand le corps blanc n'est pas là, c'est Dieu qui est là. Donc, Marie là, son corps là, c'est lui qui a accouché Dieu au ciel. Donc ça veut dire quand on est au ciel là, on n'a plus le corps de Marie blanc et le corps du Seigneur Jésus-Christ blanc. Mais au ciel là-bas, après les morts, on a Dieu d'un côté et puis on a qui? L'âme de Marie de l'autre côté. Donc au ciel là-bas, on ne parle pas d'enfant là-bas. C'est sur la terre ici, on parle d'enfant. Mais quand on se refait dans le ciel, on ne peut pas dire à quelqu'un de pardonner son fils là-bas. C'est une erreur. Non. C'est une erreur. Pourquoi? Qui vous a dit qu'au ciel là-bas, il y a fils de Dieu là-bas? On parle de fils de Dieu sur la terre. Mais on ne peut pas de fils de Dieu au ciel. Au ciel, il y a un trône de Dieu unique. Il fait un. C'est Dieu qui est assis dessus avec les anges et les saints. C'est fini. Marie, elle a eu la vie éternelle. Son âme est là-bas. Mais Marie ne peut pas dire qu'il a son fils là-bas. Où est son fils là? Voilà pourquoi il dit que, par exemple, Alexandre, aujourd'hui, il dit aujourd'hui que ma maman, c'est la prophète Naomi. Mais aujourd'hui, si Alexandre n'est plus, que c'est son âme qui est là. Mais son âme là, si on arrive au ciel, que la prophétesse, elle est là-bas. Mais Alexandre, lui, son âme ne peut pas dire que c'est sa maman qui est la prophète Naomi. Non, parce que là-bas, il n'y a pas de prophétesse là-bas. Non. Ce que je dis, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi est-ce que quoi? Vous luttez pour vos âmes. Quand on dit de venir à l'église, de bien se comporter là, je vous dis luttez, combattez pour vos âmes. Combattez pour vos âmes. Luttez pour vos âmes. Donc, dites que quand je meurs, c'est fini. Hein?
Quand tu es mort, c'est fini. Quand toi, tu meurs, c'est fini. Donc, tu es mort, là, c'est fini. Non. Quand on meurt, on sait qu'on est mort. Quand on meurt, là, on sait qu'on est mort. Et puis, on voit le corps qui est mort, là, qui est couché. Maintenant, c'est ton âme qui est là. Maintenant, si tu n'as plus la vie éternelle, tu n'as pas la vie éternelle, là, tu commences à pleurer. Tous ceux qui sont dans le passeport, le peu de passeport, quand ils meurent, une fois, le corps, parce que pourquoi est-ce que les gens, quand ils vont mourir, ils souffrent? Parce que pour que le corps, l'âme puisse se détacher de ton corps, c'est difficile, c'est une souffrance. Voilà pourquoi quand d'autres vont mourir, ils souffrent jusqu'à avant que l'âme se détache du corps. Quand l'âme se détache du corps, le corps rend l'âme. Maintenant, quand tu te détaches totalement, si tu t'appelles Kofi, tu te vois maintenant en Kofi qui est là, et tu vois ton corps qui est mort, qui est couché là, inerte. Maintenant, où tu es là, tu es seul. Il n'y a même pas un ange à côté de toi. Et tu sais que tout est fichu pour toi. Tu commences à couler les larmes. Maintenant, si tu es dans le peuple de Patmos, tu as la vie éternelle. Une fois, ton corps, ton âme, ce n'est pas encore détaché du corps, mais tu es dans l'agonie, tu es entre la vie et la mort, tu vois les anges qui sont là déjà. Tu les vois, ils sont venus. Et quand une fois tu te détaches, et puis le corps est se fond. Quand il se fond, c'est fini. Ton âme voit les anges. Ils sont autour de toi. Et ils sont en train de glorifier Dieu. Parce qu'il y a une âme qui a eu la vie éternelle. Maintenant, ils ne vont pas avec toi. Ils attendent à ce qu'on t'enterre. Voilà pourquoi dans le peuple de Patmos, quand quelqu'un décède, on ne retarde pas trop. Parce qu'au fur et à mesure que vous retardez l'eau, lui, il est encore là, avec les anges. Le temps ne compte pas dans le spirituel, mais ils n'ont pas encore pris vous partir. Le jour où vous allez prendre son cercueil, et vous le conduisez, ou la personne, vous la conduisez au cimetière. Arrivez là-bas, vous effectuez la cérémonie, tout ce que vous devez faire, les prières. Quand vous priez, et puis vous soulevez le cercueil, vous déposez net dans le tombeau. Les anges là, ils disent Alléluia. Et puis ils prennent l'âme là, paf, ils sont partis. Ça veut dire il n'y a plus rien sur la terre ici. La trace, elle est tout effacée. C'est fini. Et donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que quand on meurt, c'est fini. Non. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit luttez pour vos âmes. Luttez pour vos âmes. Luttez pour vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons au ciel. Nous sommes en route pour le ciel. Là-bas, il y a la paix. Là-bas, il y a la joie. Là-bas, il y a le bonheur. Tout est prêt. Regarde. Si vous, là, vous croyez fermement en Dieu, là, si Dieu, vous avez la vie éternelle, vous allez vous arrêter comme ça pour demander à Dieu. Père, ça là, c'est pour moi. Vous allez demander à Dieu que dans ta maison là, tu vas demander à Dieu, Père, ça là, c'est pour moi. Dieu va te dire, oui mon fils. Père, moi là, j'ai fait quoi? Et puis je mérite ça. Dieu va te dire que du moment où moi, ma prophétesse, on était sur la terre, vous nous avez accepté. Vous avez accepté ma prophétesse. C'est à cause de vous, elle a pu effectuer le travail jusqu'à la fin. Ce que vous avez fait pour moi sur la terre, vous êtes arrivé chez moi maintenant. C'est ce que je dois faire pour vous là, que je fais. Donc ça t'appartient et tu mérites cela. Mais ce que tu vas voir, tout est en or. Dans ta maison, tout est en or. Maison pas pareille sur la terre. Il n'y a pas maison comme ça au ciel là qui est sur la terre. Là-bas, il n'y a pas soleil. Là-bas, il n'y a pas le temps comme ça. Il fait beau
vivre. Là-bas, il n'y a pas de péché. Là-bas, on ne fabrique pas cigarettes. Là-bas, il n'y a pas boisson. Là-bas, on ne peut pas... On ne se marie pas. Voilà, c'est fini. Il y a d'autres qui disent que comme on ne se marie pas là-bas, j'ai fait pour moi sur la terre. Quand tu vas faire là aussi, là, il faut faire de la droiture de Dieu. Parce que si tu as fait à gauche, là, ça va t'envoyer problème demain. Donc, attention. Moi, je vous ai dit, voici mes enfants qui sont là, les filles là, les femmes, les filles, elles n'ont pas de mari. Si vous les mariez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez les prendre, il n'y a pas de problème. Elles là, elles ont besoin qu'on les marie. C'est vous êtes toujours à gauche. Vous ne dites pas la vérité. C'est vous toujours vous mentez aux femmes. Les femmes, c'est pas vrai. Et donc, mes enfants garçons, là, soyez sérieux un jour, vous avez compris? Avec mes enfants, femmes, là. Il y a des gens, ils sont dans l'appartement, c'est des menteurs. Oui. Ils mentent, jusqu'à présent, mais ils mentent aux filles, là. Mais elles aussi, comme elles veulent garçons, elles veulent se marier aussi, elles sont obligées d'accepter. Arrêtez de mentir. Parce que quand vous avez menti, le jour vous allez me trouver là-bas. Là. Voilà pourquoi je dis, quand vous voulez prendre femme là, allez-y voir Dieu. Vous pouvez voir les prédicateurs. Les dispensiers sont là. Les prédicateurs, les Cécile, elles sont là. Si vous êtes sérieux là, vous êtes sérieux. Quand même si vous êtes sérieux, et si vous avez fait ça dans le noir, vous êtes dans la lumière. Pour quelqu'un qui est sérieux, qui veut se marier, est-ce que la personne a besoin de faire pour lui dans le noir même? Tu as besoin d'attraper la fille derrière là-bas, la jeune fille derrière là-bas, à l'état de mentir. Pourtant, tu sais que ce que tu es en train de faire là, Dieu n'aime pas. Et puis, tu sais que tu mens, mais tu fais quand même. Et puis, quand vous faites ça, ce qui est grave, quand vous faites ça là, vous les mentez et puis vous les mettez en erreur. Ça veut dire quoi? Vous commettez l'adultère avec ces filles-là. Et puis demain, vous les laissez tomber. Et puis le plus souvent, c'est les filles elles-mêmes qui vont demander pardon. Mais vous les responsables là, que vous avez fait ça, vous les demandez pardon, hein? Vos péchés là sont avec vous là. Mais c'est elles qui vont demander pardon, c'est ça, elles gênent, elles pardonnent. Et puis toi-même, tu as causé problème là. Tu dis quoi? Marcher dans le droit chemin. C'est ce que je veux. Moi, je vous aime. Et donc, je veux que tout ce que vous faites soit dans la lignée de Dieu. N'empruntez pas vos chemins. Vous ne pouvez pas chercher de la nourriture de vos propres grés pour manger. C'est moi, je coupe la nourriture pour mettre dans vos bouches pour vous manger. Ne cherchez pas, mais laissez-moi vous mettre vos nourritures dans vos bouches. Vous allez manger. Ça veut dire quoi? Pour celui qui ne comprend pas, ça veut dire que ne faites pas les choses de vos propres grés. Mais laissez-moi vous diriger. Ce que je vous dis, faites. Ce que je n'aime pas, ne faites pas. C'est ce qu'on appelle j'aime mon père. J'aime Dieu. Ne dites pas que j'aime Dieu en vain. N'a bon yamien, on yamien, il tout manque pain. C'est que ça, j'aime bon yamien, plus tout manque pain. Kousouman yamien mlanou, bien on a bon yamien, plus tout manque pain. Ne dis pas le Dieu, le nom de Dieu en vain. Mais il y a certains parmi vous qui disent le nom de Dieu en vain. Les 10 commandements de Dieu là, vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements de Dieu même?
Maintenant, il fait taille. Les étrangers, ne vous fâchez pas. Vous avez compris. Ne soyez pas fatigués. Vous voyez, la vie éternelle, les paroles de la vie, ça ne se vend pas. Ça ne s'achète pas. Ce n'est pas de la nourriture. La nourriture, quand vous allez sortir, vous en avez partout. Vous pouvez en manger. Mais la vraie vie, la vie éternelle, la parole de la vie éternelle, il y a un seul lieu dans lequel on peut avoir ça. La vraie vie, la vie éternelle, c'est dans le peuple de Patmos. Et donc, ne vous lassez pas. Tenez bon. Un jour, un dimanche dans la semaine, pour écouter la parole de Dieu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, si vous voulez là, ne passez pas ici. Je m'en fous. Peut-être que vous allez vous confesser. Bien, mais pardon, moi, vous partez au travail. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais dimanche, c'est pour moi. C'est une obligation de rentrer dans le temple de Dieu et de servir, de le louer jusqu'à une certaine heure. Si je veux vous maintenir jusqu'à 18 heures, je vais le faire. Qui veut me dire pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Quand vous partez au travail, là, vous commencez le travail à quelle heure? 7 heures, 8 heures. Entre 7 heures et puis 8 heures. Ils descendent à quelle heure? 18 heures. Vous ne criez pas au scandale, hein? Parce que vous savez qu'à la fin, là, ils vont vous donner l'argent. Moi, je vous prends ici. J'ai commencé à prêcher à quelle heure? Il fait quelle heure? Il est quelle heure? 13 heures. Ça fait combien de temps que je prêche? Seulement. 2 heures seulement. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont au travail là. Il faut comme ça. De 8 heures jusqu'à midi, il est là. Parce que si tu arrêtes un peu, il va le défaut. De telle sorte que souvent quand il est là le dimanche, là, il pense qu'il est au travail, il fait comme ça. Ça là, tu fais ça parce que tu sais qu'on va te donner de l'argent. Mais ici, je ne vais pas vous donner de l'argent aujourd'hui. Mais demain au ciel, je vais vous donner de l'argent. Amen. Et puis, encore, regardez, l'argent, quand tu vas travailler, tu fais comme ça là. Souvent, quand on te paye là, et puis tu mets l'argent dans ta poche, tu viens dans le bus là. Les voleurs là, souvent ils enlèvent. Tu deviens bête. Parce que c'est l'argent de la famille, ils ont parti avec. Il y a des gens qui sont comme ça, non? Mais, ce que je vais vous donner comme argent, là, il n'y a pas un voleur qui va vous arracher. Voilà pourquoi je ne vous donne pas sur la terre. Parce qu'ici, il y a tous les voleurs. Arrivant au ciel, les voleurs, là, on les écarte. Et puis là-bas, c'est les bonnes personnes qui sont là. Donc, quand je vais vous récompenser là-bas, quelqu'un ne peut pas vous arracher parce qu'il n'y a pas voleur là-bas. C'est ça, non? Je dis, il n'y a pas fumeur. On ne vend pas cigarette, ça fait quoi pour fumer? Donc si toi tu es un fumeur, tu ne veux pas arrêter là, tu ne peux pas aller là-bas aussi. Puisque tu ne pourras pas tenir. Tu es là toujours. Comme ça là. Là-bas, il n'y a pas. On ne fait pas ça. Donc on va voir où pour te donner. Donc mieux vaut te récaler. Tu es là, toujours, c'est boisson. Si tu n'as pas bu un peu, tu es malade. Il n'y a pas bracodi là-bas. On fait comment? Ton cas là, on fait comment? Mais tu es là, c'est toi, tu es là, tout ce tabac, tu chic. J'ai dit non. Tu dis, tu n'arrêtes pas. Bon, là-bas, là, on ne fait pas chant de tabac là-bas. On va faire comment pour récolter tabac et puis on va craser pour toi? Ça ne peut pas. Donc, mieux vaut actuellement laisser tout ça. Boisson, cigarette. Tabac. Et puis quoi? Hein? Cola. Et puis quoi? Hein? Drogue. Et puis quoi? Et puis tes clés. Ça là, il ne peut pas dire ça. Hein? Il ne peut pas parler. Parce qu'ils savent que eux, tout cela, c'est leur comportement. Si on regarde ici, tout cela, c'est zéro. Si je veux parler de ça même là, j'ai toujours fait me fâcher dans ma maison là. Parce que vous-même, quand je vous regarde comme ça, il y a d'autres même, c'est comme c'est Delo, il boit matin, midi, soir. Je dis, je n'aime pas, mais ils ferment les yeux, ils font seulement.
Mais vous là, le jour où je vais vous frapper là, vous allez voir ici. Je ne parle pas où. Dieu là, il est là en colère. Moi, je fais comme je ne me fâche pas. Moi là, tu vois comment on fait là, je fais comme je ne me fâche pas où. Mais le jour où je vais me fâcher, quand je me fâche là, pour demander pardon là, le temps que j'ai pris, moi quand je me fâche là, le temps que j'ai pris, puis je ne me fais pas fâcher, et puis je suis là, je fais comme je ne me fâche pas là. Quand je me fâche là, c'est le même temps là que je prends pour pouvoir pardonner. Ça, c'est comme ça. Je suis là en colère. On dit Dieu, il est là en colère. Mais s'il arrive sur mon point que je me fâche aussi là, le temps que j'ai pris pour tenir dans toi tes conneries là, c'est le même temps là que je prends aussi quand tu demandes pardon là. Je prends jusqu'à quand ça arrive là, là il pardonne. Donc, il faut prier Dieu. Parce que si c'est maladie que tu as eu, le temps que j'ai pris là pour te pardonner là, prie Dieu que tu ne trépasses pas en route. Parce que si tu es trépassé là, ça, c'est pas moi qui ai fait. Parce que c'est automatique. Donc, attention, attention. Suivre Dieu, c'est bien beau. Parce que vous n'avez pas peur de quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous n'avez pas vous coucher pour dire que oh, aujourd'hui là, est-ce que Satan même là, les démons là, ou bien les sorciers là même m'en veulent, est-ce qu'ils ne vont pas m'attaquer? Ça là, on s'en fout. Quand tu vas dormir, tu dis, Dieu de Naomi, je vais me coucher, je me confie à toi. Garde-moi, protège-moi. Si tu m'as laissé et puis Satan m'a touché, les sorciers m'ont bouffé, ça c'est ton problème. Dieu de Naomi, je me confie à toi. Amen. Ça fait combien de minutes? Ça là, mais c'est trop. Si tu as sommeil dans tes yeux là, que tu es en train de dormir, tu fais comme ça, mais il faut te souvenir un peu de la prière. Tu vas te coucher, hein. Tu vas te coucher, tu t'en genoux un peu. Et puis tu dis, ah, Dieu de Naomi, je vais me coucher, garde-moi, au nom de notre Seigneur Christ. Amen. Ou bien, Dieu de Naomi, je vais me coucher, garde-moi. Amen. Ça, c'est combien? Il suffit de Dieu de Naomi, je vais me coucher, garde-moi. Amen. C'est fini. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Et puis, tu t'es couché. Ça là, c'est demain matin, tu as te levé encore. Satan ne peut pas toucher. Il ne peut pas passer autour là-bas. Et là, si tu te couches, que tu vois dans ton sommeil, tu fais des cauchemars et puis tu te réveilles là. Tu te lèves et puis tu t'en genoux. Tu dis, Dieu de Naomi, ce que j'ai vu tout de suite là, ah, je ne comprends pas. Ça me traumatise. Pardonne-moi. Ce que j'ai vu là, si c'est Satan qui m'en veut, il faut les chasser là. Quand j'ai me coucher là, il ne faut plus voir s'aventurer vers moi ici. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu te couches, ça là, tu ne vas pas voir ça encore jusqu'à matin. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes riche. Vous ne faites pas pitié. Vous ne faites pas pitié comme les autres, ils font pitié. Moi, je n'ai pas envie de parler des autres églises, mais c'est mon nom, ils disent là-bas. Mais il n'y a rien, c'est mon Dieu, je vous dis. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien, moi je vous dis, il n'y a rien. Les gens créent l'église matin, midi, soir. Ils prennent le cours là pour faire l'église maintenant. Matin, midi, soir. D'autres ont créé l'église aujourd'hui, ça fait 2 jours. D'autres ont créé, ça fait 5 jours, 5 mois, 5 ans, 10 ans. Toi, tu as créé pour toi, ça fait 10 ans. Nous, on a fait 40 ans de servir de Dieu. Toi, tu dis, nous sommes dans le faux. Toi, tu viens d'arriver là. On te dit, bon, arriver dans l'affaire de Dieu. C'est toi, tu dis que nous sommes dans le faux. Et toi, tu es quitté où? On dit église département du Donné de Côte d'Ivoire. Les églises sont devenues beaucoup maintenant. Hein. Ça, c'est quel nom ça? Toi, ton église là, ça quel nom? C'est pourquoi je leur dis toujours, ils n'ont qu'à enlever eux là. Ceux qui disent que église département, ça, c'est une église de trop là. Eux-mêmes n'ont qu'à enlever le nom de leur église dans le nom de toutes les églises. Si c'est 50, ça sera 49. Donc ça va diminuer. C'est pas nous, on va enlever. C'est nous, on est là. Et puis vous êtes autour de nous. C'est nous le patron, le maître. C'est nous, on domine le monde. Rien ne peut contre nous. Rien, je dis bien rien. Vous allez nous faire quoi? Nous défendre de faire l'église? Il n'y a pas de problème. Dieu là, c'est dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Les anges qui prennent les gens ici là. Est-ce que vous avez fait j'ai l'honneur avant que je vous donne mon esprit? Vous que l'esprit de Dieu vous prend là, vous avez gêné pour ça? Non. Vous êtes venu comme tout le monde et puis je vous ai donné mon esprit. Ça veut dire que vous-même qui êtes venu là, si je vais vous donner un ange aujourd'hui, je vais vous donner. L'ange là, il sera avec vous.
Partout où vous partez, il est là. Quand vous allez manger, par exemple, il y a des vous faites pitié. Mes enfants qui sont dehors là, ne dormez pas. Hein? Vous ne dormez pas. Yé mi dehors, yé konde, yé de fouet, yé mien Jésus. Yé sere oké ara isu. Oni wa wesani si. Alléluia. Raïsou. Alléluia. Yé min de a, yé konde a. Yé de fwe, yé nguaman fwe. Yé sre oké a wa raïsou. Oni wa wesani si. Alléluia. Raïsou. Alléluia. Jésus. Yemi de ha, ye konda. Ye de fwe, ye kwa ma fwe. Ye sre oke a raïsou. Oni wa we sani si. Alléluia. Raïsou, raïsou. Alléluia. Ora isso Jesus reo e me deu e condeu e de foi e me Jesus e sreo que ara isso ore wa wesa nisi. Aleluia. Raiso, 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 e me Jesus. Aleluia. Raiso, raiso, Jesus reo. E me deu e condeu e de foi e com a foi. Yes, reoke awa raisu. Ori wa we sanisi. Alleluia. Raisu, raisu, raisu. Raisu, raisu, raisu. Alleluia. Raisu, raisu, raisu. Jesus reo. Ye minde o, ye konde o. Ye de fwe, ye kwa ma fwe. Alléluia. Raïsou, 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 soyez Jésus. Alléluia. Raïsou, 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 Jésus reo. Yé minde o, yé konde o. Yé de fwe, yé mama fwe. Yé sre oké a raïsou. Oni wa we sanisi. Alléluia. Raïsou, 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 yé bien Jésus. Raïsou, 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 Jésus sre o. Yé minde o, yé konde o. Yé de fwe, yé bien Jésus. Yé sre oké a raïsou. Oni wa we sanisi. Alléluia. Raïsou, 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 yé bien Jésus. Alléluia. Raïsou, 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 Jésus reo. Yé minde o, yé konde o. Yé de fwe, yé kwa ma fwe. Yé sre oké a raïsou. Oni wa we sanisi. Alléluia. Raïsou, 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 yé bien Jésus. Raïsou, 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 Jésus reo. Yé minde o, yé konde o. Yé de fwe, yé bien Jésus. Yé sre oké a wa raïsou. Oni
wa we sani si alleluia so la yesu la yesu so ye jesus alleluia so la yesu la yesu yesu srelo ye mi te a ye konde o desde fue ye mo ma fue yesre o ke ara yesu Ani wa we sani si alleluia Jesus la Jesus Jesus il est Jésus Jesus la Jesus 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 sera Ye mi de o ye konde o ye de fue ye kwa ma fue Yesre o ke ara yesu
Dede fwe ye kwa ma fwe Yesre oke ara iso Oni wawe sani si aliluya Ra iso Ye bien jese aliluya Ra iso Raiso yesu sre Ye mi de o ye konde o Dede fwe ye kwa ma fwe Yesre oke ara iso Oni wawe sani si aliluya Raiso ye bien jesu Raiso yesu sre Amen. Mansoura etran mousso. 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 Mam. Manyan mien plish. Bo li ke fi on men sin. Bo an de. Wakati Côte d'Ivoire in nyan mien. Ora amou gwanti. Ti l'éléphant du mai fa correcte. Na munu kusa timu sa omri. Se un gwan na omi sa nu oyu oyi mo oyu amuri e chenvi am se kresi du mai no. Na sa kula na ba mu yoli ameni mamu. Ne isa sa okangbe. Senge ma chenvi lele senge menti dan mo oyu amuri ma amu. Mansura le tramuso. Ma voici le tramuso. Ma envoie un lait au tramosso. Un clan transécan. Un transé, oui. Ma soeur est tramosso. Ma envoie un lait au tramosso. Le cango, moi. Il fait un peu tard. Il y a certaines personnes qui habitent loin. Par contre, il y a d'autres qui habitent près. Bon, mais je ne regarde pas tout ça là. Mon vitamine, où vient-elle oh? Hein? Je peux me souffler un peu. Et il y a un ventilateur qui souffle, si vous regardez pour moi, ça éteint. Vous voyez comment les enfants là sont pas bons. Regardez pour moi. Ça éteint. D'accord. Donc attendez, je vais me souffler un peu. Que Dieu vous bénisse. Je peux parler. Je peux parler. Ce que je vais dire là, de dire. De parler. Ce que je vais dire là. Hey, de parler. De dire. Ne parlez pas aussi. C'est les prédicateurs et puis les femmes qui prient là. Ce que je vais dire là. De dire. Ce que j'ai envie de dire là. De dire. D'accord. Ils m'ont donné feu vert. Donc j'ai parlé maintenant. Bon. Hier, là. Non, j'ai parlé à Mbaoli. Là, tout le monde va comprendre. Bon. À nous, main. Ça m'a dit tout le monde, on dit. Ni moi, bien moi yole. Néo, moi moi li. On y voit que fouet mon, voit que fouet me balé. Otazo, voit que fouet Mansoura les tramozo. Moi moi yekon. Ton dit fouet me balé néo. Ton dit fouet Mansoura les tramozo. Moi moi yekon. Hein? Abobo, Mansoura les tramosou, Abobo,
Moi, ma soeur, nous avons eu le bout, au tra, sous, au tra, j'ai vu, et nous avons eu. Moi, moi, écoute. Atenge, ma soeur, elle est tramoussoulo, à moi, son kang, elle est montrée, au tra, j'ai vu, nous avons eu. Ma soeur, elle est tramoussoulo, à moi, son. Moi, écoute. Hein? Né Abidjan. Abidjan. Ah, Abidjan, frère. Hein? Abidjan. C'est que ma moi, c'est l'envie. Bon, maintenant, Abidjan, à moi, il y a une manne. Moi, je suis. Blâmez groupe ou Massoura et Tramoussoul. Amen. Conseil. Tout là. Oui, vous. Yassoua, mon groupe ou Massoura et Tramoussoul. Amen. Bafoulemou. Y'a fait les jeunes cinéo. Massoura et Tramoussou. Amen. Bafou, moi, vous. Nengba. Wa mwegun. Wa. Nengba, Cécile Lingba. San Pedro. Ah, San Pedro Milo. San Pedro. Yo, c'est San Pedro Milo. San Pedro. Mathias San Pedro du Maloé. Na la kami. Bon, Mathias San Pedro du Maloé. C'est de ma violée Mathias. Au clique. Donc, un bobo en prédicateur, oui, Maya Sadama Mamou. Hein? Un bobo en prédicateur, oui, Mayoma Sadama Mamou. Amo Benou. Non. Cécile, am bobo nga moye insi amu juman souke yo. Amu serenya mien. Amu ma patmo sou vle mouan. Amu klokla nga moun si amu ke. Amu we amu ti naomi yakoto. Ba amu naomi woui. Inzoudi ki amu yoli yo. Donc, en bobo nga moun si amu juman sou. Ba amu juman sou, amu tout lika nou pak pala ale. Ke be sike li yo? Mo, sran be gya be sike li yo. Eko yo ni yi, yi kula yi mo. Donc, en bobo nga moun ye, in si amu juman sou mo ye, en fait, amu dumwa be nyunou yi. Amu tire, ye amu bo mamu yi. Ye be yo, be ko yo na omi mo, be ko yi kula, ke ma ya sa dama mamu sa. Kusimu, en bobo ye famu fa siye yi na omi bo, un koko le yo, ye flamu ke, ke be flamu ke akuto, oye amu fe. Soit il y a mon titre à l'insacre, il y a mon suivi. Donc, en bon moment, prédicateur. Donc, quand tu vois nous prédicateurs, mon abbé, un petit camp. Donc, c'est un bon moment, mais il y a un bon moment, un petit prédicateur, moi, quand tu vois, moi, si il y a un prédicateur, moi, un petit, c'est quoi, mais c'est mini-signe, mais plus mini-signe. Donc, en quoi, c'est un bon moment, et pour moi, moi, au patmosu, et patmosu prédicateur, moi, au patmosu, nous. Mien. Non, mais tout le monde dit, oh, la peine, Yesu, a failli ses prédicateurs. Non, ce n'est pas ses prédicateurs. Ils sont en day. Mais dit, ni, et ni, yaoule. Ils disent, écoutez, pas de patmos, et prédicateur, pas de patmos, moi, prédicateur, et yon mot, et yon cla. Yé, et yon mot, et yon cla. Et l'oise. Amouye ça.
Hein? Donc, amou, ça dit que amou la fin à l'insou. Ben avo pe mo yak bay yele akotom to ambo bon amo e bon si amo ske akotom am se nyam am sanamo bo amo na o mi hunle amo ni bo ngam amo e hunle ben gam jaw be ko le ase ka we ke na sa dan nyam ku yoli mam nyam sa na angale am la ke am ke am wani ni kan kri am na am hunle yo ke jran ke je ne sme jaw mo be jaw ske li mie e yo mo yo kla ase to vraiment yan detiche e blam ma mi mo betien e ske ye nion neo e ske ye nion se ti e ye mo ye kla e ye mo ye mo kla na e ma mi inzu no like ye samna poku ye o fa ku inige benga be gwa mi kla be yo am ma nga be wa mi yo neo po am ba position le on y va am ba mo groupe benno do o bobo sicili a o groupe ku noa o kla pen o kno Abo liya oni. A o groupe kunwa. O kula kmen yon kuna. Ya oli. A o binifan. O klese. Kaze abo ba mo groupe kunwa. Se ambobo nga mwe nyami plus si ya mou pat monsou vle mouan. Sou mo teke. Amo ti akoto le. Ambobo amba eske. Ebo nga mwe mye. Asile ya koto yi. Quand c'est moi, je suis dans le groupe. Je me dis, je suis dans le groupe. 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 Je nga mo bele na ko ti so mien apalie oyo ife amanie nie oyo ife nie nga ma fa manie ye mami naomi isoti eyo mo eyo kula isati ni kikan e o samon pokun ye mien mo o blai o fa na fa putra le kan no fa ni isu na ka na ndem boyo le amu yoli singe am pa mu ina amu ni abiro amu ni abiro zéro. Mamambe. Amou sabe ke unibe. Hein? Donc, en dessous allié ngamoye mani, soyi belié. En dessous allié ngamamoye, mayi belié ngao besou. Na tiens, on flaye, on fait comment bien? Hein? Prédicateur, mon. Amo bouillakonda. Amo ti. Nsamke. Kanze bobo. Am kula fa mu am lay groupe venu yi am yol ke se kusuma se am bobo am tanu liki oba mo ti am ba mu duma suke ye predicateur mu ye o yin metre ya wesu ke am ko franfla bi bobo fa te bi franfla mu no na am duma ni o telo yi na bi bobo bi am franfla venu yi am bobo kusuma nga mo lele sauf que l'antenne est beau, c'est un moment beau, c'est bien. Parce que Ambobo, pour que tu aies mis les mots, tu sors. C'est Ambobo, tu es téténiant. Afin que Ambobo, tu es flamqué à côté. Là, les représentantes de la prophétesse Naomi. Les représentantes de la prophétesse Naomi. C'est une grâce. Sauf que tu représentes la prophétesse Naomi, Dieu, dans toutes les branches de l'église, département Dieu donné de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Ça, c'est une grâce. Et comme ça, leurs enfants vont remercier la professeure Naomi
de ce que Dieu a fait pour eux. Et puis, regardez, elles sont assises là, elles dorment. Si j'en parle, c'est pas logique. Bien logique. Parce que pour ce que Dieu a fait pour vous là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu sur la terre ici? Il n'y a rien. C'est une grâce. Moi, je vous fais sur vous, je ne dors pas. Quand le diable est venu, je combats. L'ennemi veut venir, c'est moi, je combats. Les sorciers là, ils ne dorment jamais. Mais vous, vous dormez. C'est quand vous dormez que les sorciers là agissent, quand ils viennent là, je combats, ils ne peuvent rien vous faire. Qu'est-ce que vous pouvez me, est-ce que vous pouvez me payer pour ça? Non? Si tu vas prendre un corps habillé ou bien quelqu'un pour te surveiller matin, midi, soir, tu sais combien tu vas payer? C'est énorme. Mais moi, je suis votre gardien. Mes anges là vous veillent sur vous. Vous me payez combien? Rien. Et dites à votre maman et à votre papa, qui sont les prédicateurs, à vos mamans qui sont ceux qui prient pour vous, dites-les des grâces. Je leur demande pardon. Pardonnez, hein? Prochainement, ne restez pas à l'écart. Intégrez le groupe de vos enfants. Là, ça me rend honneur. Quand je vous vois, si vous venez comme ça, ça me plaît, ça me rend honneur. Mon Dieu, ça me rend honneur. Parce que Dieu saura que vous aussi, vous saviez que lui, Dieu, il a fait quelque chose de grand pour vous. Le fait que Dieu ait choisi la prophétesse Naomi pour vous. Bon, si vous ne réagissez pas, c'est comme si... Si on nous voit... Aujourd'hui, je parle de Yamsokoro et Bouaké parce que je les ai vus. Pourquoi je ne parle pas de Soubré? Je n'ai pas vu Soubré. Mais je parle de Bouaké parce que j'ai vu Bouaké. Mais je ne parle pas de vous parce que je ne vous ai pas vu. Et c'est vrai, je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas vu le groupe de Cécile. Et donc, vous là, attention là-bas. Bon, j'ai parlé, c'est fini. Je vais vous laisser pour que vous partiez récupérer. Vous reposez. Demain, c'est un autre jour. Il y a certaines personnes qui vont aller au travail, au service. Donc, si je prends trop le temps, il y a d'autres mêmes qui vont dire que le monsieur là, il parle trop, il n'avale pas sa salive là. Je ne vais plus là-bas. Bonsoir, Tramousso. Bon, voici les Tramousso. Mam. Bonsoir, Tramousso. Non, bonsoir, quand on on y va des fois. Alléluia. On y va des fois. Alléluia. Les fadjous, avile. Blega bossa, qui crée à miaou. Alléluia. Oh, Ania Osso. Fadjou Avielie. Avielie. Likenga bo o tikpa ma o nyamie o wa fa ma o se ala fi emi do manso nyamie o nya o su aleluya o nya o su aleluya paju avielie. Les
fajo avire likenga bo otipa ma o nyamie o wa fa ma o se ala fi emi dumaso nyamie o nya o su aleluya masura le otramusu masura etramusu 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 likenga bo tipa ma o nyamie o wa fa ma o se ala fi emi dumaso nyamie o nya o su aleluya o nya o su aleluya Tu avieli. Mansura et tramosu. 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 Mamu. Mansura et tramosu. Manyamie pli oramusu nyamie oramugwa nyamie osasa mutiti me inyinene ngamo onwule namule tranu vie amusi krisi dumaye no se nyamie pli sakpa sakpa yo abaklo sala mi fale ye wura kpeni yamfu amusu yo fale amu ya amu envle nu manyamie kun so onni amusu sati ti ti namuti muisa omri ye mamu nyakulale satan oni mamisu amusi krisi dumaye no On connaît que un siamle, un qui s'amle kan. Topo on y baisse, un siamle kan. Na, eni amoui, et ou blé ou flé. Amou ni amounsou, amou kati amounsouen. Amou yosakpa, na tienvi le kousoumane, nyami kli, ya un djuelika, o kati amou un djuelika. Mansoura le, on y a un djue, nga ou fin yami souloy, o goa amou klokla amounsou. Amou si yami kli motin gwan, bo kreise, o amou afi yamou klo, sanbe kounakra metin, idman mo yisou.